Ouais, c'est Noël. Wouh. Regardez, j'ai des cadeaux. Regardez. Comme vous le savez peut-être, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la cacabox, nous avons fait un Secret Santa. J'ai malheureusement hérité de Terracide et inversement, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que j'ai reçu des cadeaux. Il se compose de comme ça. Alors il m'a dit ouais, il y en a 4. Il m'a dit ouais, il y en a 4, j'en ai que 2. Donc déjà gros mytho le gars. J'ai enlevé mon adresse. Donc ça sert à rien de vous faire chier à mettre pause. Voilà, y a pas mon adresse dessus. En plus, je vais vous dire un truc, même si vous avez mon adresse, qui va venir chez moi? Personne. Donc en vrai, relou de ouf pour tout le monde, je crois. Voilà. Donc ça c'est lourd. Ça c'est assez lourd, ça c'est très léger. Et en plus d'être très léger, c'est très vide. C'est-à-dire que là, en vrai, regardez, c'est super fin. Je sens qu'il y a un petit truc qui se balade dedans. Genre, il y a un petit truc qui se balade. C'est vraiment minuscule, donc je sais pas ce que c'est. De toute façon, vous connaissez le bousin. Il est allé sur Amazon. Il a mis tous les produits classés par ordre de prix. Il a pris les 2 moins chers, il a envoyé. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on s'attend pas à une Tesla sur ce live. Je préfère, voilà, je préfère prévenir. C'est pas aujourd'hui qu'on aura la Tesla. Voilà. Ah, moi j'ai calé 100 balles pour son Secret Santa de merde. Lui, je peux vous dire que s'il a mis plus de 15 balles, ça m'étonnerait fortement. Il m'a envoyé le Covid ou quoi? Ça c'est lourd, hein. Ça c'est assez lourd. Là, comme ça, je dirais c'est peut-être un livre. Tu voulais cadeau sans Terra? Non, non, non. Non, non, Terra arrive. Terra arrive. Là, comme ça, on dirait un livre. Voilà, j'en dis pas plus. Mais avant ça, je voulais qu'on prenne 5 minutes vite fait pour discuter. En fait, c'est le dernier live de l'année, sachant que j'en ai fait 3 dans l'année, hein. Donc vous allez pas être beaucoup dépaysé. Mais parce que je rentre en Corse et avec la 4G, je pense qu'il y aura aucun monde où je vais pouvoir live. Et puis de toute façon, c'est Noël quoi, je vais profiter avec la famille. Mais à tout moment, je vous fais un live 4G dans la forêt. Si je trouve un moment de la 4G dans la forêt, je vous ferai un live 4G dans la forêt. J'essaierai de faire du feu, j'en sais rien. Je pense que ça peut être marrant. Donc voilà, on verra ça. Vous l'avez vu hier, il n'y a pas eu de Zen. C'est normal, c'est parce qu'on prépare plein de choses pour la rentrée. En plus de Zen, qui est, comme vous le savez, un lundi sur deux, l'autre lundi qui reste, va y avoir une émission en plus, une nouvelle émission, on travaille dessus. Donc là, c'est un vrai gros truc sur lequel on travaille. Donc tous les lundis soirs, du coup, sur la chaîne, il y aura vraiment un vrai truc. Une vraie émission. Et franchement, j'ai hâte de vous montrer parce que la dernière fois que je vous ai dit ça, c'était pour Zen et vous aviez kiffé. Là, j'espère que vous allez kiffer aussi. Oreille l'émission, non. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. En vrai, il y a des chances que ce soit bien. Le lundi Fortnite. Non, c'est pas le lundi Fortnite. Ça me saoule, je suis jamais là le lundi. Heureusement, il y a des condensés. Oui, il y a des condensés sur YouTube. Bravo, bravo de le dire sur ma chaîne, n'hésitez pas. Et je suis en train de me tâter à mettre les VOD sur YouTube, mais je me dis que de toute façon, vous pouvez les voir sur Twitch, les VOD, quoi qu'il arrive. Donc peut-être que c'est peut-être pas la peine. Enfin, j'en sais rien, on verra. Combat de nains. Non, il y aura pas de combat de nains, hélas. Hélas, mais j'aurais bien aimé. Donc voilà, pour les petites news. On reprend début janvier avec Zen. Il y a plusieurs invités qui sont déjà bookés et je pense qu'ils vous plaît. Je pense qu'ils vous plairont. Et voilà, et la nouvelle émission. Quand est-ce que tu regardes une bouteille sur la tête de Grim? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu pour le moment. C'est pas prévu pour le moment. C'est quoi cette coupe de Clodo? Je vous explique un truc. Là, il y a un problème. Il est 16h18, d'accord? À 17h. J'ai rendez-vous chez le coiffeur. Ça veut dire que là, en 40 minutes, faut que le live il soit bouclé, coupé, que je sois chez le coiffeur. Vous voyez le problème? Vous voyez le problème? Donc là, on a un vrai souci. On a un vrai souci. Va falloir faire un petit peu vite. Un petit teaser sur les invités. Non. Je peux pas faire de teaser sur les invités parce que j'ai pas envie de vous... Non, j'ai pas envie de trop teaser. Qu'est-ce que je peux dire sans vous spoiler? C'est impossible de vous dire sans vous spoiler. Mais tranquille, vous verrez, ça va être bien.
Rediff de Zen avec Terra. Non, mais par contre, je vais sortir une vidéo avec Terra là, dans pas longtemps. issue du coup de l'émission Zen. Sur YouTube. Voilà. Du coup, je sais pas qui a reçu déjà les cadeaux. J'ai vu Rémi avait reçu des cadeaux. Flygo avait reçu des cadeaux. Ah ouais, la démarcation du casque. Ah, j'avais pas pensé chez le coiffeur. J'ai passé pour un con. Oh, the bee. Du coup, moi j'offre à Terra. Terra a reçu un des deux cadeaux. Et là, on attend l'autre. Pota aussi, oui, Pota aussi. Et là, du coup, on attend l'autre. Non, je viens pas de me lever. Promis en plus. Promis en plus, je sors de la douche. Regardez, je sors de la douche. Ouais, du coup, j'ai pas encore reçu le deuxième cadeau. Je suis dégoûté, j'attends parce que là, le deuxième cadeau, il va être exceptionnel. Le deuxième cadeau, il va être exceptionnel de Terra. C'est pour ça, j'attends que de le recevoir. C'est moi qui vais le recevoir. Pour qu'il puisse ouvrir le premier, il fasse tout d'un coup. Enfin, vous verrez. Bon, allez, je rejoins les autres dans le vocal. On va ouvrir cette merde. Bonjour, bonjour. Salut les gars. Salut les gars. Comment ça va? Oh, il y a Théo de merde. Oui, je suis là. Ça va? Ça va? On peut jouer à Fortnite là. Ça va? Ouais, ça va. Maxime, partage-nous sur Discord ton écran OBS, comme ça on n'a pas de délai du live. Ton écran OBS, ah ouais. Ou direct ta caméra. Okay, non, la caméra elle pourra pas. Je croise les doigts pour qu'il le fasse. Attends. Ça serait ouf. Je vais le faire, hein, pote. Oui, il l'a fait. Il est généreux. Oh, tu l'as fait. C'est trop un truc de ouf. Wow. Pourquoi t'es russe, live plus, connard, il est ban. Il a été ban def pour racisme. Voilà, oui. Je préfère. Regardez, j'ai deux cartons. Alors, ouais, vas-y, montre-moi parce que je saurais qui est quoi un peu. Ma belle, tu m'as bien dit qu'il y avait 4 cadeaux. Ouais, il y a 4 cadeaux. Tu te fous de ma gueule. Non, mais je pense qu'ils ont mis. Là, t'as deux colis, c'est ça? Alors, je vais te montrer le premier colis. Le premier colis, c'est un truc tout plat, ok? Ouais. Et, très honnêtement, genre, à part cette petite zone là où il y a un petit truc qui se balade, tout ça c'est vide. Genre, vraiment, c'est de l'air. Ok mon gars, et ça c'est le premier truc que t'as reçu normalement. C'est le premier truc, bah j'ai reçu c'est les deux en même temps. Comment c'est dur, c'est mou? C'est dur, c'est mou ou pas? Ok, d'accord. C'est dur. Ouais, okay. Bah alors ça, mets-le de côté pour l'instant. Montre-moi le deuxième colis. Attends, juste Terra. Est-ce que t'as son petit sourire à Terra ou pas là? Qu'est-ce qu'il y a mon gars? Est-ce que c'est genre, c'est pas un bail d'un truc vivant? Est-ce que c'est pas une araignée qui va sortir du ouais, truc? Ouais, mais elle est malade. Non mais la dernière fois que ça, il m'a envoyé un kilo de verre vivant, c'est bon. Ça va m'éruiner mon Il t'a offert une tarentule, hein. T'inquiète, mon gars, y a rien de vivant. Un serpent venimeux, hein. Le deuxième truc. Le deuxième truc, c'est ça. Si se présente comme ça, on dirait un livre. La forme me paraît bizarre, mais en fait, ce que je vais te demander de faire pour ce premier colis, c'est de l'ouvrir, mais les yeux fermés. Bah. Et comment je fais? Genre, en gros, tu l'ouvres. Ah, je regarde pas, et je te montre. Tu montres à la caméra le truc, et nous, on te dit un peu. Donc attends, ça voudrait dire là que il y a bon parce qu'on est d'accord que là-dedans il y a qu'un cadeau, enfin ou alors je me non il y en a deux, il y en a deux t'inquiète. Et du coup il y en aurait deux là-dedans. Exactement. Là, mais si ça s'est bien passé. Et celui-là il est très lourd par contre, enfin très lourd. Ça alors c'est étrange que ce soit très lourd honnêtement. C'est, donc non, je... c'est pas très lourd, c'est. Eh wow, faut pas que tu vois, mon gars. Hein. Ok je c'est... vois. Alors. Est-ce que c'est bien ton cadeau moi ou c'est juste un cadeau que j'ai commandé, je me rappelle plus. C'est bon. C'est les cadeaux. Okay. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas fermer les yeux et tu vas extraire devant la caméra l'intégralité du contenu. L'intégralité du contenu, je te dirais de séparer quoi, mais pour l'instant tu restes les yeux fermés, d'accord? Alors, ok mon gars. Alors attends, ce que tu vas faire. Part, là. Wow. Non t'inquiète, c'est parti, okay. C'est tombé. Ok, donc là il y a deux trucs. Il y a un truc où tu te doutes que voilà, là, c'est un moi, bouquin. Je te dis ce que c'est. Le un bouquin, tu le. Un t-shirt et un bouquin. Ok, alors. Oh bâtard, donc, c'est dans Mein Kampf, faut un dinguer comme ça. Tais-toi. Non. Mets de côté le livre, pour l'instant. Il m'en fait un Mein Kampf, ce fou. Mets-le de côté. Voilà. Tu regardes pas. Ferme les yeux. Ferme les yeux est sous le carton, le livre est sous le carton, les gars. Eye closed. Reprends le t-shirt que t'avais. Ferme les yeux. Mais frérot, t'es sûr qu'il n'y a pas mon adresse sur le carton? Je vois une étiquette. Non, ferme les yeux, voilà, ok, ça, trouve le moyen de le déballer. Je regarde juste l'étiquette. Déballe. Trouve le moyen de le déballer. Mais t'es un ouf de regarder, l'étiquette, il y a quelque part. Tricheur, ferme les yeux. Mais ferme les yeux, ferme ta gueule, connard, va. Ok, il est mauvais, hein.
super plaisir. C'est bon. Il est mexicain un peu. Vas-y, montre-le, montre à la caméra le t-shirt, voir, genre tu le déballes. Ouais. C'est bien déballé. Ok, vas-y, déplie. Enculé, c'est un drapeau. Déplie. Non, 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 Terra, non. Non, XL. Déplie. Non, Terra, Terra. Déplie, voir ce que c'est. Terra, Terra, Terra. S'il te plaît. Ne me dis pas que c'est un truc nazi, s'il te plaît. Déplie. Frérot, si c'est un truc nazi, tu te rends compte le screen? J'en peux plus. J'en peux plus. Déplie encore. Déplie encore. C'est du XL, c'est tout ça. C'est du XXL. Mais c'est un truc, si c'est un truc nazi, espèce de fou. C'est pas nazi. C'est du M. C'est l'Espagne. Vive l'Espagne. Ouais. Mais t'es un malade. Mais c'est quoi ce drapeau? C'est un truc raciste. C'est quoi? C'est pour le football. Mais mon gars, c'est rien, c'est un drapeau juste. Non, un drapeau allemand comme ça avec un nez, ça me fait très peur. Ah bah, y'a aucune raison, gros. Eh, hey, on représente ici. Neymar. Maxime représente. Maxime, la Coupe du Monde, il y a des historiens dans le chat, ne les écoute surtout pas. C'est l'Allemagne impériale. On a tué ma gueule. Non. On a gagné la Coupe du Monde, vas-y, prends le drapeau, on l'a gagné. On a gagné la Coupe du Monde. Non, mais non, on a pas gagné. Ouais. République fédérale d'Allemagne, mais t'es un malade, mais tout. Mais je vais me faire. Mais tu sais que je suis fiché à cause de tes conneries. Regarde ce que j'ai reçu à la maison. Il a commandé une bombe. Je suis fiché, espèce de connard. Allez, on peut laisser tousser maintenant. Non, mais attends. Couleurs, hein. Si t'as fait une bonne leçon, si t'as fait une bonne leçon d'histoire, y a rien à voir oh, avec. Non, attends, attends. Le deuxième. Du coup, le bouquin, c'est sûr, c'est Mein Kampf. Mais pas du tout. Non, par contre, la vie de ma mère, c'est pas Mein Kampf. Je te jure que. Okay. Donc là, je le montre à l'écran. Il y a pas de croix gammée sur le. Non, non, je te jure. Toi, okay, tu le montres. Voilà. Ça, c'est un beau bouquin. Parti, hein. Par contre, je savais pas qu'il y avait 800 pages. Hein. Je pensais que c'était un petit livre. Ouais, tu veux que je te lise un morceau ta mère, Théo. Montre une salope au hasard. Montre une salope au hasard. Mais y a que du texte. Y a pas de photo. Je suis dégoûté. Non, non. Quoi, pardon. Y a pas. Donc là, on a normalement t'as les meilleures salopes qui ont existé à travers le monde. Hein. Là, bah, je peux t'en citer une au hasard. Jeanne du Barry. Donc apparemment. Ah bah c'est la grand-mère de Théorus, ça. Bah oui, Catherine II de Russie. J'ai pas parlé de tes parents, destiné à la renverser, suspendue du fait de la maternité de Catherine. Voilà, 3 mois après la mort d'Elisabeth, elle accouche d'un petit garçon. Du Express. Remets le drapeau quand même. Non. Ouais, au cas où. Pour être sûr. Mais Maxime, hey, t'as Google Lens, tu photographies le drapeau et ça va te dire ce que c'est. D'accord. Ouais. Vas-y, non, mais c'est le drapeau. Attends, c'est le drapeau de la RFA. Drapeau. Mais là, et parce alors que tu n'y connais rien en histoire. Le drapeau d'Allemagne est drapeau civil. Le drapeau d'État est le pavillon marchand de la République fédérale. C'est un drapeau tricolore composé de 3 bandes horizontales. Ok. Voilà, okay. Voilà. Pas de soucis. Pas de soucis. Non, mais c'est pas ça que je cherche, moi. C'est là, il me parle du drapeau de l'Allemagne, là. Moi, c'est pas celui-là que je veux. Si, mec, c'est un truc de ouf. C'est l'Allemagne de la guerre froide. Ouais. Confédération de l'Allemagne. Ouais. C'était avant le mur. Drapeau de l'Empire allemand, les couleurs sont réintroduites avec la fondation du Troisième Reich en 1933. Le Troisième Reich, c'est quoi, Terracine? Pourquoi t'achètes ça? Pourquoi t'achètes ça? J'ai pas acheté ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de l'ouvrir. J'ai pas acheté ça. T'as dit, j'ouvre mes colis que j'ai commandés. Ouais, pourquoi t'as acheté ça? T'es un malade, hein? Avec mon argent. Tu m'as dit, je vais le mettre sur mon balcon, mais les gens, ils vont te casser la gueule. T'as dit, je suis fier de l'ouvrir carrément. C'est j'aime bien les aigles, plus, j'aime bien les aigles et je pensais que. Ça passe pas avec les couleurs de ton décor, ça passe pas, tu vois. En tout cas, tu peux le brandir fièrement, il n'y a aucun souci, il n'y a rien de Seconde Guerre mondiale ou quoi. Ah ouais, parce qu'il y avait écrit Troisième Reich dans ma description, c'est bizarre. Bah non, parce que déjà en plus, on peut pas l'acheter sur internet et j'ai absolument pas essayé de t'acheter un drapeau nazi hein, pour savoir qu'on peut pas l'acheter sur internet. Donc je peux te dire que c'est safe à 100%, sinon tu te serais fait ban Twitch. T'imagines la galère? Ouais, ce serait. On s'est renseigné. Plus de zen. Ouf. C'est un live histoire le chat. Ouf. Tu sais, comme quand l'Algérie elle gagne, tu pourras le mettre sur tes épaules et tout le drapeau en mode ouais, les gars. Matinée de la culture. Et ça, bah, c'est ton livre de chevet. Hein. Les salopes de l'histoire, c'est toujours un truc à dévorer le soir. L'aigle bicéphale fut le symbole de la Confédération germanique de 1814. Il fut monocéphale, celui de l'Empire allemand de 1871 et de la République dite de Weimar de 1919. Il était encore à l'époque nazie, après 1933. C'est ok. Fun. Eh ben, guten Tag, Maxime. Merci, Bézig. Merci. Merci hein. Pour cette petite leçon d'histoire. Merci, Terracide. Au moins, tu vois,
Je sais que je peux partir en vacances tranquille. Je savais pas si j'allais live ou pas. Je vous suis. Deux semaines aussi. De vacances bien méritées, Maxime. Deux semaines de vacances. Mon gars, là, ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Ah non, me dis pas que non, non, je vais me faire ban de fou là si ça continue. Non, non. Non, ça, sérieux. Non, bah, non. Non, après, tout est vrai. Alors déjà que là, pour moi, c'était safe, mais là, c'est encore plus safe. Pour toi, là, c'était vraiment, safe, le drapeau de la RFA, c'était safe. Bien sûr, je suis fan du mur de Berlin et de l'Allemagne divisée en deux. D'accord. Ah, t'es fan de ça, toi. T'as des choses à dire, quand même. Oui. Ok. Ich bin ein Berliner, j'ai toutes les refs. On a des cailloux chez nous, hein, du mur. Ok, alors, attends. Oui, ok, Terra, là, j'ai pas vu ce qu'il y avait, mais il y a deux trucs, effectivement. Alors, je les sors. Le truc solide, tu le mets de côté. Mais en fait, j'explique. Il y a un truc. C'est un carré plat. Ouais. Et il y a un truc. Vas-y, bah. Qu'on dirait une figurine ou un truc comme ça. Ok, bah le carré plat, prends-le. Parce que je me demande pourquoi c'est censé avoir une forme de figurine. Parce que normalement, non. Le carré plat, c'est ça. Je le regarde, c'est bon. Attends, montre-nous à la cam sans toi regarder. Oh, ça, mon gars, tu le déballes. Oh. Tu le déballes. Okay. Et tu regardes surtout pas derrière. Bah, c'est un cadeau mignon, en fait, je vois derrière, mais je vois pas ce qu'il y a. Comment ça? Bah, genre, derrière, c'est un code barre, quoi. Ouais, ouais, c'est ce genre de bail, mais pour l'instant, juste. Ah, mais en fait, c'est des cartes, c'est des cartes. Exactement. Ok, qu'est-ce que je fais là? Bah là, tu déballes et puis tu peux regarder en tout cas. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est des cadeaux. C'est des. Ça, c'est un cadeau c'est mignon. Des trucs à gratter. Des trucs à gratter. C'est des trucs à gratter, mon gars. Oh, tu m'as mis Hemi là! Ah, alors là, tu peux nous. Non, c'est gentil, en vrai. Si tu peux mettre. Si tu peux mettre la cam pour qu'on puisse. Oh, t'es un ouf, Terra. Je veux un truc du Z-Event, moi. Je te régale. Oh, tu m'as mis trop bien. Il lui a donné des goals. Hein. Ah ouais, je suis mort de rire. Hein. Il est. Ah bah vas-y. Vas-y, grâce à mon mignon. Attends, juste pourquoi il y a écrit farce attrape. Retourne-le, on s'en fout de ce qu'il y a. T'es un ouf ou quoi? Me dis pas que tu grattes avec un Kinder Surprise là? Ouais, un cadeau de Kinder. Ok, vas-y. Ça gratte pas. Hein. Ça gratte non, pas. Je vois. Je vais prendre un Lego. Après, tu peux une pièce, hein. Je sais que tu payes toujours par ah, série. Ah oui, ça oui, une dérif, pièce, mais... une pièce, oui, bien sûr. Les gens normaux, ils font ça avec une pièce. Hein. Ok, la team là, normalement, il va se mettre plein les fouilles. Il va se mettre Hummy là. Alors là. J'espère qu'il gagne. Hein. Moi aussi, je lui souhaite en tout cas. J'espère que je gagne. Hein. Je te donne la moitié si je gagne, Terra. Tu me promets? Ouais, je te promets, je donne et la moitié. Pour le tableau alors. Je sais pas comment ça se joue exactement. Il faut trouver les mêmes merci numéros. Merci beaucoup, ou... Xatarot. Le tableau? Ah ouais, c'est toi que je dois donner le tableau. Tu te rappelles, t'es russe, on a fait live peinture. Ouais. Bah, le tableau. Ça fait 2 ans quand même. Hein. Ouais. Ok, j'ai gagné 50 000 euros déjà. Non, c'est pas vrai. Ouais. Ouais, non. Il y a écrit rien. Combien, il y a écrit rien. Montre à la cam, j'y crois pas. C'est écrit rien. Mais c'est faux, de toute façon. Mais non. T'as gagné 50 000. Hein. Attends. Mais j'y crois pas. Oh la vie de ma mère. C'est un truc de fou. Oh, je t'ai mis. Non, oh, non, là, arrête, là. Arrête. Ah oh, non, je te donne pas les 50%. Je te donne. je te donne 10% là. Non, mais attends. Non, frère, arrête. T'es sérieux avec l'argent? Arrête, frère. Regarde, 40 000. Quoi? 40 000 balles. Je le mets sous blister. Attends. Mais t'as pas. Tu sais même pas si t'as gagné. Ah ouais. Tu sais pas si t'as gagné. Ah ouais. C'est la somme, ça. Ils font tout le temps ça. Ils mettent une grosse somme. Si les gars, grattez les lingots. Si vous découvrez le numéro 5, vous avez gagné. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais. Mais 5. Regarde. T'as pas gagné. 5. Il fallait avoir le 5. Mais je suis. Quoi? 90 000 euros. 90 000 balles. 90 000. Oh. Non mais je pense que t'as mal lu, Maxime. Non mais tu me donnes, tu m'en donnes mec. Au moins un, mec. Mec, il a écrit. Bon, Bix... tu sais quoi pour le prouver? Donne-nous 10 000 euros maintenant, de toute façon t'es riche. Non. Ouais, donne-nous 5 Ethereum. Non. Big 5. Gagner des 5 euros à 200 000 balles. Grattez les lingots. Si vous découvrez le numéro 5 entre parenthèses 5 une ou plusieurs fois, vous remportez la somme de la case gain. Autant de fois que vous avez le numéro 5, ça peut doubler, hein. Ça peut doubler cette histoire, hein. Mais ça veut dire que là, donc t'as déjà 40 000 et que si t'as d'autres 5, mais ça. Non, ça n'arrête, n'arrête plus. Jamais. Non, y'a qu'un 5, je suis deg. Mais frère, ça n'arrête plus. C'est déjà un truc d'ouf. Et je veux que Terracide m'offre des cadeaux. Mais je veux que Terracide il arrête de draguer ma mère, genre, c'est tout ce que je demande. Les gars, si j'avais su que c'était gagnant comme ça, je m'en serais acheté moi-même. Frère, y'a un 5. Y'a un 5 dans celui-là, là. Dans le chat, jouez tous au jeu. 30 000 balles, non, wesh. Commencez à fumer. Non, sérieux.
Quoi? C'est... Attends, mais c'est à se demander si... Non, il n'y avait pas de 5. Il n'y avait pas de 5. Incroyable. Si, il y avait un 5. Mais c'est à se demander si c'est pas truqué, hein. Bah non, pas possible. C'est la FDJ qui a... C'est la FDP, hein. C'est la FDP. Non, mais le chat, pour récompenser Maxime de son argent, faites des subs, là, s'il vous plaît. C'est une récompense. Vous me remerciez, hein. Là, j'ai gagné 20 000 balles, et là, j'ai gagné... Attends, c'est impossible. Si, si. Mais t'as vu, ça devient banal pour lui. Il gagne c'est des sommes astronomiques. C'est normal de gagner depuis ça. Depuis qu'il fait Zen, il a des sommes de ouf. Et 20 000, et là, tu sais comment j'ai gagné? Tu sais comment j'ai gagné? Allez, 10 000 encore. 10 000. 10 000. 10 000 et 20 000. Là, encore 30 000. Hein. Tu vas aller mais c'est cette réaction. Mais t'en as rien à foutre. Non, c'est pas que j'en ai rien à foutre. Gagnant d'un coup. C'est qu'en fait, si tu veux, j'ai gratté 50 000 direct. Du coup, le reste pour moi, c'était banal, tu vois. Putain, mais les gens se sub à ce mec qui est déjà riche et le prouve de par son comportement. Merci. C'est rien bien. À foutre. Merci Clément Pigny. Ce sont des faux tickets et comme ça me fait de la peine. On n'aime pas les riches. T'as même pas lu son message. Non, c'est pas des faux tickets, c'est un rageux. Tu l'as dit, c'est un rageux. Merci beaucoup, Terra. Bon, je vais pas te donner la moitié, ça fait beaucoup quand même. Maintenant, va au tableau et tu les encaisses. Bah, ce que tu fais, c'est que transfère-moi juste tout de suite 500 balles. Et franchement, c'est rien par rapport à ce tout que tu as gagné. Tout de suite 500 balles. Ouais, tout de suite. Genre maintenant. Pourquoi et maintenant? Tu les encaisseras plus tard. Parce que j'ai besoin de faire un achat de ouf de 500 euros. Donc tu me fais le virement maintenant et tu iras encaisser les tickets gagnants au bureau de tabac. Ok, bah vas-y, je vais vite faire sur PayPal, excusez-moi. Ça marche, mon gars. Voilà. Mais franchement, ça me fait plaisir. Terracide, hop. 500 balles, hein, tu m'as dit. 500, ouais. En vrai, je te dois bien ça, mec. Hein. Si tu veux mettre plus, tu peux. Hein. Vas-y, 505. 505 okay, balles. Ok, merci. Bah, tu devrais recevoir, dis-moi quand t'as reçu. Attends, j'attends les notifs. Ouais. Là. Dis-moi quand t'as reçu, mec. C'est bon. C'est merci, bon, t'as mon reçu. Gars. Merci, mon gars. Bah, merci à toi, mec. J'ai gagné 90 000 balles. Ouais, de rien. Merci à toi, mec. Hein. Entre ça et les salopes, franchement, je suis garni. Non, c'est pas fini. Oh, c'est pas fini! Oh là là, mais. Bah oui! Là, j'ai envie de dire. Ouais. Meilleur pour la fin. Ok. Parce que là, c'est un cadeau que tu vas pouvoir tester en direct devant nous tous. Ok. Je montre? Oui, tu peux montrer en regardant. Ah, en regardant. Le clavier était où? Filtre à eau potable. Oui, mon gars. Toi qui tu m'as toujours dit putain je rêve de boire l'eau de mes chiottes. Bah tu vas pouvoir le faire en direct devant nous. Tu vas pouvoir mettre cette paille et aspirer l'eau de tes chiottes. J'ai jamais dit ça. Très bonne idée. J'ai jamais dit ça. Transformer directement en eau potable. J'ai jamais dit ça. Maintenant je suis sur Discord à 3h du mat, tu vas trop goûter ma pisse. C'est vrai que j'ai dit ça. C'est vrai que j'ai dit ça. Mon gars, c'est un truc qui va te permettre de voyager où tu veux dans le monde et d'avoir toujours de l'eau potable. Et donc du coup, pour montrer que ça marche, parce que je peux te dire que même le grand JD, il a testé cette paille, il est dans les marécages et tout pour boire. Oh là là, il s'est trop bien. Ce que tu peux faire, c'est directement aller dans tes chiottes et exactement. Et tu aspires l'eau de tes chiottes. Mais le truc c'est que je peux pas filmer de mes chiottes. Je vais prendre un verre. Je vais ramener l'eau des chiottes. Non, il faut qu'on voit. Donc à mon avis, ce que tu peux faire, c'est Discord. Tu nous partages. Tu te connectes avec ton téléphone avec la webcam sur Discord. Mais tu vois comment c'est chez moi, ça passe pas dans mes chiottes. Mais non, jure. Oui, non, c'est vrai. Tu vois comment c'est chez moi, c'est au bout du couloir. Elle est énorme la paille. Non mais tranquille, je vais prendre l'eau des chiottes. Moi je te crois. Bah attends, j'ai vu la pub. Tu peux nous filmer toi qui bois l'eau dans tes chiottes un peu quand même. Ah non, mais je vais le faire ici. Je vais le faire ici, je vais prendre dans un. Ouais, mais j'imagine que avoir ton visage qui est dans la tête dans les toilettes, je trouve que c'est quand même un peu plus impressionnant. En termes de survivalisme, c'est plus impressionnant de te voir la tête dans les toilettes en train de boire. Oui, on doit le voir ça. Et l'eau bien jaune. Tu vois ce que je veux dire, mon gars? Vrai, oui, tu peux pisser avant si tu veux, hein. Ça filtre ça tout. Vas-y, je reviens. Eh, bougez pas, j'ai fait caca en vrai. Non, t'inquiète, mon gars. Bon, là, avec un peu de chance, il a vraiment des grosses crottes qui flottent devant. Il n'y a pas de filtre dans le tube. Ce qui se passe, c'est que c'est juste une paille normale. Hein. Je vais te faire une paille McDo, le con. Non mais c'est garanti sans bavure normalement là. Il y a peut-être moyen même qu'il trouve ça tellement bon qu'il vide tout l'eau de ses chiottes. Hein, Il commence à l'avoir une habitude tous les jours, il commence à boire sa pisse, ça. Il kiffe, tu vois. Après c'est peut-être Terra. Qu'est-ce qu'il y a? Terra, tu me jures que ça filtre hein?
Mais c'est regarde le produit. Frère, ça me dégoûte, plus, ça me dégoûte. T'es sûr que ça filtre 100%? Non, là, je te crois pas, fils de pute. C'est impossible. Ouais, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Tu me prends pour un con ou quoi? Il vient de le boire, il vient de le boire. Oui, non, je le bois pas. Tu peux pas boire ça, tu peux pas me dire de boire ça. T'es un fou, mec. Mais tu crois? Mais tu viens. Il a versé son jus de pomme, ce fils de pute. J'ai pas de jus de pomme, les gars. Je vous jure que j'ai pas de jus de pomme. Je jure sur la tête de ma mère que j'ai pas de jus de pomme. Pris ton frigo. Il ne aura pas. C'est de la bière, mais il y a pas de bière. Mais, la bière, il y a de la mousse. Mais qui pisse jaune aussi comme ça? Il fallait voir un médecin, Maxime. Non mais il s'est mis un grand verre de fusti. Il va faire croire qu'il boit sa pisse, ce gros con. Terra. Quoi? Je peux pas faire ça. Tu veux pas me demander de faire ça. Mais évidemment. Ah ouais. En plus, dis-toi que l'eau des chiottes de base, c'est de l'eau potable. Il y a même pas de risque. Alors en plus avec un filtre. Mais non, mais là, tu vas prendre ton pied, hein. Tu vas prendre ton pied. Mais c'est vraiment. Mais c'est pas. Mais... C'est pas l'eau de chiottes, c'est de l'eau de chiottes pisseuse. mais le grand JD, il va là où les gens ils font caca et pipi et ils boivent à même le sol. Caca pipi. Ok, j'y vais. Il a plus dans le gange, dis-toi. Tu te rends compte ou pas? Mais c'est chaud et tout, genre. Non mais on te de... mais quoi bon, tu sais quoi, fais ton test avec ton sirop de merde là et tu verras. Alors tu as vu comme c'est délicieux et potable. Ça monte pas. Ça monte pas. Après j'ai peut-être un mode d'emploi, j'y connais rien. Ouais, ça monte pas. Ah mais si, regarde, c'est plus dans le verre mais c'est pas dans ma bouche non plus. Aspire, c'est temps que ça bouge. Ah, doit y avoir, tu vois, le filtre. continue. Non, je continue pas. Terra, je continue pas. C'est le produit, c'est normal. Non, ça enlève pas du tout le goût, t'es un fils de pute. Si, c'est le produit. Ça enlève pas du tout le goût. Ah. Non, je continue pas. Nique ta mère. Bah, dès que ça parlait de foot, des trucs comme ça, c'était soit Grim, soit Théo, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Non, Grim joue pas au foot, donc c'est comment ça. Même dans la façon d'écrire. Ouais, c'est pour ça. Ouais, Théo, déjà. Quand je parlais en DM, je savais que c'était. Grim, c'est allé MDR. Ah ouais, une fois MDR. Et je me suis dit, je vais tenter, peut-être qu'ils vont pas cramer. Ouais, Théo, déjà en DM, j'étais sûr, mais en plus, à un moment, t'as dit, ma défense, qui peut MB. Là, j'étais allé, c'est dit. On t'écoute plus, Grim, au cas où. D'accord, ben. Grim, je suis en train de jouer à un jeu vidéo hein, pendant que tu parles. Merci. Ça te donne la couleur un peu de ce qu'on en a à foutre. Ça t'intéresse beaucoup, tu m'as dit. Alors. La couleur des sentiments. Hein. Il est là, Maxime? Non, il arrive, il m'a dit, je l'ai appelé. Je l'ai tué? Non. Je rigole. T'as pas fait ça? Ah, Port Valo. Je rigole, j'ai dit. Ok. C'est quoi cette soirée là? C'est quoi ce binge-ling? C'est quoi cette histoire? Non, pas aimé. Et on voit que c'est un fond vert, hein. Ta gueule. C'est un cadeau ou c'est plusieurs cadeaux? Maxime Big Mac. Bah, mais comment je vous partage? Ah, du coup, je vous partage mon écran OBS. OBS. Oh, j'avais pas vu le col roulé. Ouais, fais ça. Ah bah pourquoi tu te moques? Bah je peux pas. Ah si, peut-être ça. Ça marche si vous vous partagez. Oh, une capture d'écran. Hein. Ah oui, capture d'écran, ça marche peut-être. Ça marche là? Vous voyez genre ma webcam? Ouais. Je vois. Ok. Mais la trash. Bah non, on voit le Streamlabs quoi. Alors. Ah merveille. Bah parce que c'est le micro de mon ordi, genre intégré. Non, c'est pas vrai. Non, tu déconnes. Ah, t'es un ouf. Ah, Maxime. C'est un truc de dingue ce qui se passe là. Non, ça va en vrai. Mais... ça va en vrai. Non, c'est cool. Ça va au calme. C'est un gros cadeau ou c'est plusieurs petits cadeaux? Non, ce crevard, il m'a fait un cadeau, frère. Je lui en ai offert 15, il m'en a offert un. Oh la pince. Non, il y a un petit cadeau bonus. Il y a un petit cadeau bonus. T'inquiète. C'est des coups du glou, hein. Non, c'est pas ça. Ça sent le caca. Alors attends, comment je peux faire? Vas-y, alors Terracide, tu as dû recevoir il y a quelques temps un petit colis. Ouais, tu parles RP, de RP, là. RP. Voilà, attention à ton adresse. Ouais, mais j'ai avec un stylo, j'ai enlevé. Oh. Je t'envoie sur Discord l'autre truc, mais ça on verra après. On verra après. Juste, tu te rappelles à chaque fois ce que tu me dis? Toujours tu me dis... T'inquiète.
sais, tu fais que me dire, ouais, mon décor, il est pas, j'en ai marre du fond vert, il faut un truc pour décorer. Tu fais j'ai que dire ça. Je crois. Je crois que t'as vraiment jamais dit ça. Je te jure, j'ai jamais dit ça. Parce que du coup, je t'ai fait un petit déco de. C'est déco d'appart. C'est un GOBS. C'est ce qu'il fait. Hein. Ah, t'inquiète. Alors. T'as vu, Kota, ça va? Ouais, t'aurais dû jouer avec Kota, c'est un super jeu. Je pouvais pas, mais. Dommage, rentre. Oh, le gros drapeau qu'il a acheté, la Wehrmacht. Non, alors, justement, la grosse différence, c'est que comparé à lui qui m'a offert des cadeaux de merde, moi, c'est des cadeaux que je pense vraiment qu'il va kiffer. Tu vois, c'est des vrais cadeaux, un vrai bon cadeau. Toi, t'es là pour faire kiffer. Et voilà, moi, je suis là pour faire des cadeaux qui plaisent aux gens. Je le régale, en fait. Moi, je le régale, c'est pareil. Attends. Ah ouais, t'as lu, c'est vrai. Moi aussi, j'ai lu, j'avais de la lecture. Est-ce que je fais le. Je fais le truc du ouais, je regarde pas ferme et les yeux. Je ferme les yeux. Ouais. Enfin, ouais, ferme les yeux et j'espère juste que niveau taille c'est bien parce que je voulais quand même un format assez grand parce que t'as vu ton appart. Non mais attends, regardez un poster. Voilà. C'est super grand. Fallait que ce soit majestueux à la hauteur du streamer. Oh le suceur. Le Schleich, non. T'es mal à taille de la vie. Merci à Arka Thomas pour ton sub. Pour qu'on s'accorde chez moi. Ok, je vois rien pour l'instant. On live maintenant. Ah, par contre, à tout moment, je meurs. J'ai la frappe de Chine. C'est un énorme pétard, oui. Maxime, j'espère que tu meurs le plus vite possible. J'ai la frappe de Chine. Oh. Ok, alors attends. Moi pour aussi, ça Maxime, que... j'ai la frappe de Chine. Ok. Bah ouais, c'est alors en gros... Tu fermes les yeux, tu déplies et tu devines. Vas-y. Ok, attends. Mais comment je peux pas deviner? Vas-y, retourne. Attends. Est-ce que c'est dans mon sens ou pas? Retourne-la dans l'autre sens. Retourne-la dans l'autre sens. C'est bien. Waouh. Je t'ai dit, je suis sûr que c'est une photo de toi, genre. Tu t'es pris en photo, tu l'as mis en poster. Quoi ? Approche-le devant ton lit, comme ça, quand tu baisses, il te met un pouce, là. Ouais. C'est un beau champion. Je regarde. Quand je baisse, il a... Mec, tu peux... Vas-y, mec, donne tout. C'est du 3 minutes de ouf, mec. Donne tout. Tu l'accroches à l'envers à ta fenêtre, comme ça, dès que les gens... Et ça va, Terra, c'est assez grand, parce que... Sur tes volets. Fais voir. Mets-le chez toi, ouais. Non, en vrai, Maxime, je pense que t'aurais dû prendre plus grand, j'ai peur que ce soit trop petit pour lui. Mais en vrai, c'est le plus grand qu'il y avait. J'avais pas. Oh non, il va casser son lit, non. En live. Ah, regardez, il a du caca derrière son lit. C'est petit. Grand. Ah, il a pété. Ça fait quand même. Attendez, j'ai de la pâte à fixe normalement. Je vais en chercher. Mais attends, ça se colle pas automatiquement, ça? Non. Mais normalement, mais tu sais, t'as le petit. Ça, c'est pas display. Non, mais tu sais, t'as un petit truc pour coller un petit papier. Ah, pour coller, ouais. Dans le chat, tenez. Dans le chat, il y en a, ils sont en mode pourri, il a mis un random sur un poster. Ouch. Ça prend pas mal, hein. Alors, Tarsi, celui qui a dit c'est qui, là, vous me le bannez, là. Lui, vous me le bannez. Moi, je l'aurais pas nécessaire, le trou de balle, hein, Terra. Non, mais imagine, ce soir, Terra, il dit, bon, je vais l'enlever, et sa meuf, il dit, non, laisse-le. Il va enlever le tableau de sa mère lui a offert, il en a rien à faire. Il va le mettre par-dessus. Hein. Et Maxime, je te jure, regarde le chat, y'a que des bâtards dans le chat. Hein. C'est qui le gros ouais, non, 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 chier dans son non, froc, non, là, ça se fait par contre. Pas. Mais non. Ouais, y'a la mère de cul qui coule là. C'est... Eh, je trouve ça très très beau. En vrai, ça fait un beau décor, tu vois. Ça fait un décor un peu streamer, tu vois. C'est sympa. Je trouve ça sympa, tu vois. Ça t'a coûté combien? En vrai, c'est. 60 balles! 60 balles! 60 balles! Bah c'est un beau poster. Mais après, ouais, genre, ça vaut le coup. En vrai. Mais tu sais, attends, en vrai, tu sais pourquoi? C'est parce que la livraison, j'ai mis livraison express. Sauf que l'autre colis, du coup, n'est pas arrivé. Du coup, j'ai mis livraison express. C'est ça qui coûtait genre 20 balles, tu vois. T'es vraiment un abruti de service, toi. Hein. Et attends, je pouvais faire plus cher. Si je mettais le papier mat, etc., c'était beaucoup plus cher. J'ai dit, oh, ça va. Je pense que je peux la mettre sous cadre. Je vais trouver un format de cadre pour la mettre. Oui, ça serait bien, ça serait bien. Mais là, je te le signerai, mon grand. On dirait que c'est petit, mais vraiment. T'inquiète, on dirait pas. T'inquiète. Le tableau bleu fait 3 mètres de haut. On dirait que c'est petit, mais il est grand. Il est grand par les. Je crois que c'est du A0, je crois. Si on regarde sur internet les dimensions, c'est genre. Je crois que c'est
c'est ça, ouais. Oui. Un maître d'école. Le manuel. Oui, oui, d'accord. D'accord. En vrai. Ah, en vrai, la morale de l'histoire, c'est un peu Maxime, très petit par la taille, mais très grand par le cœur. Ouais, c'est un peu ouais. Ça, merci mec. Bon, allez, et, par contre, le kick. Ça va. Il sortait de garde à vie en plus, là, après la photo. Attends, Layla, t'aimes bien? Au top après à Savonnette. Elle a fait. Oh, merci, mal d'arrache pour elle a débouffé de chaleur. Elle a débouffé de chaleur, elle a dit. Merci pour ton sub. Bon, du coup, Terra, t'as reçu un. T'as reçu un petit DM, bon ça c'est petit bonus, hein. T'as reçu un petit truc sur Discord. Ah, faut l'afficher. Faut l'afficher. Alors, qu'est-ce que t'as reçu? Mais qu'est-ce qu'il a reçu pas, hein. Attends, je regarde. Putain, mais il y a un cookie twerk quand je clique sur Discord. Arrête de regarder. Ah, c'est un WeTransfer. Télécharge le fichier. Ah, mais tu as le fichier. Ok. Mais par contre, stream-nous-le parce que là, on ouais, a ouais, pas ouais, mais alors attends, on va le voir. Il faut qu'il le mette en mode studio, qu'il le. Non, mais sinon, il stream sans lien. De vidéo, c'est je viens de voir déjà, je viens de voir la première image. Attends, j'ai et pas c'est fait le plus important. J'ai mis pause et je viens déjà de voir. Alors, est-ce que tu veux l'anecdote? Tu veux l'anecdote avant attends, ou après? Non, attends, d'abord, je vous stream l'image que je vois là. Attendez. Est-ce qu'il le voit dans le chat? Il doit faire un dog sur live. Là, vous le voyez normalement. Oh putain! Là, c'est vrai! Un classique. Ok. Ah, Heisenberg. Allez. Say my name, Damien. C'est Heisenberg. Attention, je vais. Bah, attends, je vais écouter. Alors. Bonjour, Terracide. Maxime est très heureux en couple avec toi. Cependant, il me semble que tu perds toujours 10 balles depuis que t'as acheté 2 boîtes de baguettes à McDo. Bon, il t'aime quand même. Pas bien, Terracine. Hémorroïde. Dis mon nom. Si tu es sage. Dis mon nom. Ciao. Dis mon nom. Deux choses. Dis son nom. Dis mon nom, Terracine. Eh, hey, Terra, mais là, on a l'air seul. Dis mon nom. Attends. Dis mon nom. Il y a deux choses. La première chose, tu vois l'image de fin et tout. J'ai pas du tout demandé ça. Il s'est fait son petit kiff. Hein. Déjà. La petite image de fin et tout. Bah, c'est Heisenberg. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Vraiment l'as du labo. Hein. Et le premier truc, c'est que pourquoi ça a mis autant de temps? C'est parce qu'à la base, c'était Big Ali qui devait le faire. Et il m'a ghost. Non, mais c'est encore mieux. Encore mieux. Du coup, c'est Heisenberg en personne. C'est le plus plus. Avec ma meuf, je regarde Breaking Bad. En ce moment, on se refait toutes les saisons. Et vraiment, là, je pouvais pas être plus heureux que ça. Mais t'es au courant? C'est le vrai. T'es mort. Attends, je me le remets, mais avec le volume à 150, par contre. Hein, pour que tout le monde en profite. Dis mon nom. Bonjour, Terracide. Maxime est très heureux en couple avec toi. Cependant, il me semble que tu as toujours 10 balles depuis qu'il t'a acheté 2 boîtes de nuggets à McDo. Bon, je t'aime quand même, malgré tes hémorroïdes. Allez, Terracide, dis mon nom. Et si tu es sage, je passerai te dire un petit coucou sur ta chaîne. Ciao. Dis mon nom. Merci Brian Transon. Ouais. Très grand, ça fait plaisir. En vrai, ça fait plaisir. Il est resté humble. Il est bilingue, ça. Dis mon nom. Dis mon nom. Je suis le danger. Oui. Skyler. Super cadeau. Franchement, bravo pour la personne. Merci, c'est super Noël. Bravo, Maxime. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue pour cet esprit de Noël. Cet esprit de Noël qui nous embaume tous. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va ouvrir un petit cadeau. Un petit cadeau qu'on m'a offert quelqu'un d'un cacabox qui s'appelle Hugo. Hugo Délire. Et on va devoir l'ouvrir. Merci pour les subs. Je les remercierai après. Je suis désolé, les gars, mais il faut qu'on ouvre ce cadeau, les gars. Il faut qu'on ouvre ce cadeau. Merci pour tous les subs. Je remercierai après. Les amis, on va devoir ouvrir ce colis de merde. De gros chiottes. Salut, Hugo. Ben merci. Merci beaucoup. Ben dis donc, qu'est-ce que j'ai... Oh putain. C'est pas costaud du tout.
Ok, j'ai eu peur, tu m'as fait peur là. Je me suis dit, petit colis, j'ai pris le soin de... Bah, je peux te le streamer, mais je sens que ça va crash mon live. Ce serait con que ça crash pendant que je l'ouvre, quoi. Regardez. Beau colis, bien marron. Déjà le packaging, il me plaît. Beau scotch. Ok, attends, je me recule un peu. Ah, on n'entend pas Hugo. Pardon, Hugo, tu peux redire tes blagues depuis le début, tu peux tous les refaire. Salut, salut tout le monde, joyeux Noël. Joyeux Noël à toi, je devrais je t'appeler par ton vrai prénom, Ernest. Joyeux Noël. Je l'ai pas entendu celle-là. Joyeux Noël à tous. Oh mais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un abonné attends. Vient de m'offrir un colis au hasard. Attends, mais du coup, tu fais ce que je t'ai dit là. Tu ouvres et tu sors ce qu'il y a dans le carton. Et... Qu'est-ce qu'il m'a offert? Et t'essaies de deviner en touchant quand même. Ok, en touchant, non mais attends, mais tu m'as mis quoi là? Tu m'as mis. Me dis pas que t'as moulé ta queue dans du plâtre. J'aurais pas eu le temps. Ils avaient pas assez de plâtre, potatoza. Ouais, je veux pas de ciseaux là. J'ai la flemme d'enlever le. Allez, le scotch là. Tu peux défoncer, c'est pas fragile. Hein. Ouais, mais. Tu sais, j'ai pas envie de le péter. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oh. En tout, je crois qu'il y a. Tu dois avoir plus de 3 trucs. Du papier! Tu m'as offert du papier! Ah, j'ai failli me spoil. Ça va, j'ai rien vu. Oula. Allez Ernest, ouvre ton cadeau. Mais c'est des vis ça. Hein? Attends, je vois pas. Il y a un délai. Des vis? C'est pas... Attends, j'ai pas commandé des vis. Je sais pas si je le montre bien. Ah non. Non, montre le mieux. Ouais, non, mais ça tu peux regarder. Mais ça, c'est pas... j'ai pas commandé. Je pense que c'est une surprise qu'ils ont mis dedans. Oh! Oh putain, Hugo, t'es un monstre! Wow! Ça, c'est pas moi qui ai commandé, hein, wow cette surprise. Ok, allez, on continue. Oh, non, mais tu m'as fait... Je vois des champs... Qu'est-ce que tu sens? Nous 5, ça fait scheisse. Non, mais il y a un petit bandeau cadeau. Ah, mais... Ah. C'est un carton. Il y a un carton dans le... C'est une bombe explosive, il va faire exploser okay. Ma maison. Attends, commence pas par ça, pote. Je crois qu'il y a d'autres okay. trucs dans le gros carton. Garde ça pour la fin. Tac. J'espère qu'il n'y a pas fait de conneries sur mon live. Comment tu te sens? Ah, j'espère que t'as pas vu, mais nous on a vu un truc que t'as pas vu, c'est parfait. Quoi? Alors là, ça c'est un vêtement ça. Ça c'est un vêtement ça. Ouais, bien sûr ouais. que c'est un vêtement, bien sûr c'est un vêtement. Ça c'est une capuche, ouais. Voilà, ça c'est la capuche. Une capuche. Est-ce que en touchant peut-être le non, logo qu'il y a devant sans regarder, tu peux deviner ce que c'est? Qu'est-ce que tu m'as mis dessus là? Qu'est-ce que tu m'as écrit dessus là? C'est sur la poitrine gauche. Est-ce que tu peux deviner ce que c'est? Ça fait... C'est dans une usine turque, ça, Essaye de deviner le logo, Ernest. Arrête! Mais c'est quoi, ça? Mais c'est pas une... C'est pas une kippa, c'est un sweat, tu l'as bien deviné. Qu'est-ce que c'est? Va te faire enculer! Mais dis pas que c'est... Fais une proposition. C'est pas une icône, quand même. Non, non, bah non, j'oserais pas. On ouais, soutient pas les. Je me suis dit, il va pas quand même acheter. Non, non, pas ça, pas ça. C'est... On est quand même au-dessus, en termes de prestations. Attends, mais c'est dur, hein? C'est dur. Essaye de partir du haut vers le bas. Si tu trouves pas, tu ouvres, hein, mais tu vas du être content. Du haut. Va te faire enculer. Je te jure, je l'ai pas. Ah, c'est trop drôle que tu tripotes le logo. Ah, ça sent le. Ça sent le mort là. J'aime bien le mort. Ça sent le mort. Bon, allez, regarde, Ernest, regarde. Oh non! Oh non! Il m'a eu! Oh non!
Je vais pouvoir porter. Mais je l'adore, ce gars. Je l'adore. Mais t'es... attention, hein. T'es obligé de le porter sur toute la panoplie. Tu la portes sur ton prochain stream. Hein. Bien sûr. Mais attends, mais tu sais que j'avais plus d'habits puisqu'ils sont tous au sale. Là, je vais pouvoir. Eh ben, enfin... c'est parfait. Voilà. Mais c'est pas tout. T'as toute la panoplie, mon petit Ernest. Attends. Ah, mais c'est. Attends, l'autre truc vert aussi. Mais tu m'as spoilé, du coup. C'est une casquette. C'est une casquette. Hop, casquette, les gars. Casquette, ouais, bien. T'as du Wankil sous du Zerator. Hop les gars, il y en a marre. Oh, la marque de merde là. On est nouveau en ville. Oh, dis donc Zera, elle marche pas très bien tes... tes fermetures. Oh, ça doit être les Turcs ça. Ça marche pas très bien. Fini Wankil Colors, dites bonjour à Zerator. Et t'as aussi la casquette, tu l'as vue ou pas? Tu l'as montré la casquette? Il a pété tout. Oh, il a tout cassé. Et j'ai payé des sous pour ça. Il me reste la fourchette. Attends. De. Il me reste la fourchette de midi. Il est en train de devenir. Calme, calme. Tu m'as bloqué sur Twitter, mon gars. Regarde ce que je te fais. Oh, Ernest! On pensait que ça te plaît, on pensait que tu aimais le streaming! Je suis le Kogan là! Tu comprends, je suis le Kogan! J'ai envie de tout. Putain, j'arrive pas à. Eh, hey, costaud quand même, Zerator! Costaud! Bonne qualité, hein! Costaud! On verra si ça tiendra le... l'huile de moteur! Les traces de caca! Attention! Allez! Deuxième la petite cadeau! Casquette. Oh! Les gars, on le reconnaît, la marque du GOAT. La marque. Ah, tu fais. Tu ouvres le petit. Ça, c'est un. Ça, c'est un panier surprise. Bah, y'a que ça, là. Comment ça, y'a que ça? Ah, j'ai quelque chose d'autre. Oh, ouais, putain, y a autre chose. Oh, c'est génial. Mais oh, putain, je suis d'humeur à faire des events de ouf, les gars. Oh ouais. Et qui va soulever son premier titre? Wow. Oh, c'est comme ça qu'il voit le monde, ce mec. Wow. Les gars, je m'adore là, je m'adore, je me kiffe. J'utilise mes propres gifs, les gars. J'utilise ma propre emote sur mon propre live, regardez. Je suis le GOAT. Hop, ma propre emote. Voilà pour vous. Et du coup, dans le carton surprise, je sais pas trop ce qu'il y a. C'était, apparemment, ah. C'était la surprise de Noël. Ah bah, s'il m'offre Asfarazia, et là, je vais être content. Ah, peut-être. Là, je vais être content. Attends, je mets quand même la panoplie, parce qu'il faut se sentir entrepreneur. J'ai plusieurs entreprises, hein, évidemment. Généralement, les mecs qui portent ça... Hop. Attends. J'ai une musique à mettre quand même, un petit Zerator DFG, ça fait pas de mal. Un petit banger de rap. À l'ancienne. Ça te plaît, Ernest? Ouais, ça. J'suis parti 2 ans, c'était pour grandir. Ça fera du bon combustible. J'ai rien à dire. J'arrive dans ton corps comme une maladie. Et c'est pas fini. Écoutez le couplet du GOAT, il arrive. Non, mais ça va. J'affiche plus mes subs, le compteur a planté. Oh putain, le panier surprise. Comme Kakashi pertinent et attaqué. Choix cornélien, tous des grandes gueules. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je crois qu'il y a de quoi se réchauffer pour l'hiver. Les gars, je suis éligible aux Z-Event de l'année prochaine. J'ai acheté tout, tout le merch. Bon, ta gueule. Allez, mon petit Ernest, c'est pour toi. Oh putain. Qu'est-ce qu'il nous a offert, les gars? Il nous a offert un magnifique bonnet de Noël. Regardez. Voir la ça. Gueule du bonnet. Z. Magnifique. Le Z. Z. Y'a que ça? Y'a que ça là? Hop. Attends, j'ai payé ça combien? Je le mets. Ah non, il faut que j'enlève le truc. Hop. Mais c'est magnifique ça, c'est super. C'est franchement, c'est génial.
Et là, oh, des chaussettes de Noël, les amis, des chaussettes flexibles, flexibles. Il faut pas attraper froid aux petits arpions. Hop, hop, attrapez-moi ça, les gars. Qui en veut une dans le chat? La Zerator chaussette. La Z chaussette. Attends, il y a autre chose pour pas attraper froid, pota. Attention. Ok, les chaussettes, on les a. On dirait un clochard. Oh là là. Ça ne va vraiment pas, hein. Ouais, l'écharpe. Je suis un Z Ultra, moi. Et les gars, Z Ultra dans le chat. Génération Z. Z Ultra. Zemmour TV. Zemmour TV. Zemmour. Wouhou. Gros soutien à Zerator. Franchement, ça te plaît? Ça te plaît, pota, ce que je t'ai offert? Oh là 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 là. Faudra le porter, hein. Faudra le porter en stream. Oh hein. Putain. Tu t'engages à le porter au moins une fois cette semaine? Attends, je me mouche là parce que. C'est pas grave, non, mais je savais que ça allait te toucher. Je savais, c'est pas grave. Sèche ses larmes. Sèche-les. Tu peux te moucher, hein. Attends, je reviens, je vais tester la capacité de l'écharpe. Je parle juste au chat, je vais juste chercher un truc. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça vous plaît? Vous êtes content pour lui, le chat? Il arrive, il vient de dire, je répète. Vous êtes content pour lui? Je me suis dit, je vais rester simple, j'avais un petit budget de Noël pour lui faire plaisir, j'ai tout donné, j'ai tout donné. Et par contre, moi j'ai très très peur, hein. J'ai reçu 5 colis déjà à la maison. 5 colis, les mecs, de la part de Pota. 5. Il m'a dit qu'il en manque encore 4. Je sais pas du tout ce qu'il m'a acheté. Ça fait une dizaine de colis, hein. Il est starbé, hein. Si c'est qu'à la texture, on dirait des bouquins. Donc j'ai un peu peur de ce qu'il m'a acheté. J'ai un petit peu peur. Mais bon, c'est pas grave. On verra ça bientôt. Je vais pas les ouvrir en deux fois. J'attends. Hein, j'attends. Je pense que je lancerai. Les gars normalement, j'aurai tout demain. Les gars, vas-y Ernest. J'ai testé l'efficacité de l'écharpe. Effectivement, elle ramasse bien les merdes de mon chat. Regardez, regardez juste ici. Qu'est-ce qu'il fait? La véritable merde de chat ramassée avec mon écharpe. Il a chié dans l'entrée de tout à l'heure. J'avais pas enlevé, mais regardez. De la merde. Allez, je me casse. Elle va finir à la poubelle, cette écharpe de merde. T'as compris? Enfoiré là? Putain. Oh, mais putain, mais j'ai payé cher pour ça. Écoute, il nous reste encore les chaussettes, ça sera pour la prochaine merde. Putain, mets-le dans la boîte, et comme ça, c'est fait la cacahuète. Mets-le dans la boîte. Je vais l'acheter par ma tête, allez, tiens, reprends ça. Ah, mets-le dans la boîte. Les gars, l'odeur est horrible. Hein. Non, mais là, c'est pas possible. Oh, l'odeur est horrible, juste pour une vanne de merde. Non mais il a ramassé le caca. Je te jure que là c'est pas facile. Mais t'es starbé. J'espère que c'était sec, au moins que c'était moulé comme crotte, hein, parce que. Mais non mais tu connais les merdes de chat, tu sais, c'est ça a l'air sec et après à l'intérieur c'est cœur fondant, c'est. Oh, c'est une truffe. Non c'est pas ma merde. Eh oh les gars, un peu de respect ici. Oh, il a refait l'histoire de Terra mais en vrai. Oh là là. I see my poop. Bon, putain, ça te plaît? Là, je suis bien Z ce soir. T'es content? Bien Z. Et super, par contre, Zera, super les dragibus. Franchement, excellent. Hop, ça te va bien. La veste, elle fait un peu trop. Bon, je vais rien dire. Bah, elle fait un peu. Non, mais elle fait geek. Tu vois, moi, je joue à WoW, je joue aux trucs comme ça, quoi. Non, franchement, elle est cool. Le bonnet, pas mal. La veste, elle est bien au moment. T'as oublié les lunettes, là, mon garçon. Ah, je les ai foutues. Elle me dit pas qu'elle est dans la merde de chat, par contre. Et attends, juste que je vérifie un truc. Merde, où je les ai foutues. Attends, mais Tu m'avais dit que moi, j'aurais 6 colis. J'en ai 8 au final. Alors, parce qu'ils ont non séparé, ces connards. Au final, oh c'était. Là. C'était rassemblé dans un colis et les ont séparés. Alors, je vous dis le prix. J'en ai rien à foutre des trucs de Noël, faut pas dire le prix, je m'en fous.
Je vous dis. Quoi, ce que toi t'as dépensé? Non, toi. Tu l'as dit? Ah oui. Non, je sais plus. 150 balles, un truc comme ça. Il est complètement malade. Hein. Je voulais marquer le coup. Ah bah, y a même mais pas toi, t'as dépensé presque pareil au final. Ouais. Les gars. Bah, moi, j'ai dépensé. Je sais plus. 4... Non, mais toi, t'as dépensé plus. 150 euros. Non, mais attends, t'es malade. Attends, je vérifie quand même. Putain, mais t'as. tu sais ce que t'as fait là? T'as subventionné non. La prochaine Zedlan. Wouhou! Les gars! Non, je t'ai payé un beau cadeau parce que je t'estime. Alors, attends que je vois. Non, 120. En plus, c'est des cadeaux que je pourrais réutiliser, tu vois. Ah, ça oui. Là, rien que pour la litière. Ça, déjà, regarde, imagine ça là. Au fond de tout trou de balle. Imagine comme ça doit bien nettoyer. T'as de la qualité, les gars. J'espère que tu les mettras à Noël. Hein. Je suis pas sûr de ça. Hein. Je suis pas sûr de ça, quand même. Tiens, mais c'est quoi ces chaussettes, Ernest? Oh, c'est le Z. Bon, bah, je suis très content que ça te plaise, mon petit potard. Ça me fait merci plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup, Hugo. On remercie Hugo, s'il vous plaît, dans le... De rien. Bravo. J'espère que je recevrai tout moi demain. Comme ça. Attends, je vais te dire. On est le 21 demain. Donc bon. Mais ils font chier aussi avec leurs commandes, pas tous en même temps. Hein. Non, mais attends le 22 au moins. J'attends le 22. Ouais. Bah le dernier. J'espère Faut que je les reçoive avant 16h, 17h, parce que j'ai mes parents qui arrivent après. En fait, fais quand tu peux plus, genre, tu sais, le dernier moment, genre. Ouais, je ferai ça. Parce que le problème, c'est qu'il y en a, il me dit entre le 21 et le 23, quoi. C'est ça qui me saoule. Alors, au pire, j'en referai un le week-end. Non, mais. Ou alors, j'attends le 25, au matin. Si j'en manque un, c'est pas grave, hein. Mais bon. Bon. Comme tu veux. Je verrai, mais je pense que je le ferai quand même le 22, au plus tard, vers 14h. Au plus tard. Bon, bah merci. De rien, pota. Je te laisse vaquer à tes petites occupations, mais tu m'as l'air d'être bien accompagné maintenant. Hein bah oui, bien sûr. J'ai beaucoup de confiance en moi depuis que tu m'as offert ça. On se sent l'âme d'un entrepreneur. Ouais. Allez, des bisous tout le monde. Ciao. Et joyeux Noël, Ernest. Ciao, merci. C'est très très gentil. Bon, j'ai reçu les colis de pota. Je vais l'appeler, je sais pas si je les ai tous en fait, c'est ça qui me saoule. Attendez. Alors. Je lance Discord pour appeler Pota. Discord. Cette coupe sur Hugo égale les mèches blondes de CR7. Hein. Comment ça, cette coupe? Mais tu sais qu'il n'y a quasiment rien eu. Hein. Elle m'a juste rasé les côtés et ensuite, elle m'a un petit peu... comment dire, désépaissi la tignasse, hein, c'est tout ce qu'elle a fait. Hein. Mon colis demain. Comment ça, mon colis demain? Ah ouais, mais... Moi, je l'ai pas eu, là, le colis. Attends, j'appelle Pota. Allô? Tu m'entends, Pota? Attends, je t'entends pas, toi. Hop, je te mets plus fort. Allô? C'est bon. Ça va, Pota? Très bien. Très bien. Ouais, moi j'ai que 5 colis. Hein. Bah écoute, tant pis. Je fais avec. Tu te régales, tu prends du plaisir. Alors il y en a un que ma copine a ouvert juste pour vérifier si c'était pas un cadeau, parce que c'est elle qui l'a réceptionné. Et elle était morte de rire en mode fais attention, tu peux te faire ban. Donc. Non, il n'y a pas de ban. T'es sûr? Parce que en fait, bon, elle avait l'air plutôt assurée. Hein. Je sais pourquoi, mais en vérité, tu peux pas te faire ban. Pourquoi? Tu comprendras, mais tu peux pas te faire ban. Non, parce que Maxime, il avait peur que tu lui aies acheté Mein Kampf, mais tu me l'as vraiment acheté, en fait, espèce de débile mental. C'est ça, non? Bon, les gars, je vous montre juste la taille des colis. C'est genre des trucs comme ça. Il y en a un seul qui est énorme, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu veux que je te stream Ah non, je pourrais pas te streamer, moi. Ah non. Je peux te streamer mon retour au BS, si tu veux, comme ça tu verras en live. Mm-hmm.
Voilà, normalement, ça devrait marcher. Ouais, c'est bon. J'ai un stream chez toi, comme ça, t'auras pas de... c'est du shit 100%. Merci Riots pour le troisième mois. Pota, pourquoi tu réponds pas depuis tout à l'heure? T'es inquiétant quand même, espèce de sale con. T'es là? Oh putain, il m'a vraiment acheté Mein Kampf. C'est... Il va pas vouloir me répondre, hein. Je t'entends plus, hein, Pota, hein, au cas où. Bon, je vais le laisser revenir quand même. Je vais essayer de sortir le bousin. Et de deviner ce que c'est, mais bon, vu à la texture du colis, j'ai déjà deviné ce que c'était, mais... Stream OBS, là, comme ça, je suis en direct. Mais je te l'ai streamé, là, je le stream. Ah, merde. Bon, je sors le truc. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, bon, je commence, c'est le plus petit. Non, c'est le deuxième plus petit. Alors, bah ça, c'est un bouquin, de toute façon, mais c'est impossible de deviner ce que c'est. Je vais trembler, les gars, parce que j'ai pas mangé, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, non? Oh non, il va se faire ban à cause de ce livre. Ah non, mais c'est pas celui-là qu'elle a ouvert, du coup, elle en a ouvert deux, en fait. Regardez ce que j'ai eu, Pokémon Go, le guide du joueur, par Nutiteuf. Et j'espère que dans la première de couverture, de il dit... J'espère que dans la première page de couverture, il dit « J'adore Pokémon et je suis aussi homosexuel. » Passons maintenant au vif du sujet. Oui, les amis. Putain, combien t'as payé ça? 7,99€, hein. Mais c'est pas fait par n'importe qui, hein. Par Nutiteuf, les gars, hein. Ça fait plaisir. N'hésite pas, hein. Quand t'es dans la rue, tu sors ton petit livret. Mais ça, tu sais que c'est le type de cadeau qui vont partir, genre, dans 2 ans. Si je retombe là-dessus en déménageant, ça va partir à la poubelle, hein. Je te le dis tout de suite. C'est pas grave. Écoute, moi, j'ai ramassé de la merde avec mon écharpe Zarator. C'est vrai. Bah, attends, j'hésite même à faire quelque chose. Le guide du joueur. Le guide du joueur Pokémon Go. Mais ça a l'air complet, en plus, hein. Mais y a pas une photo de Nutiteuf que je puisse l'accrocher dans mon setup, là? Je vais quand même pas déchirer la dernière de couverture pour le mettre sur mon mur. Bon, bah, premier cadeau. Très, très content. Merci. Très content, bien adoré. Il est complet, hein. Complet en vide-grenier. 3€. Ça fait plaisir. Voilà. Ça, c'est un... Ah, bah, c'est celui-là qu'elle a ouvert. Comme ça, après, c'est moi qui l'ouvre. Ok. Ça, c'est... Ça, c'est plus costaud, hein, par contre. Mais c'est encore un bouquin, gros. Mais c'est énorme comme bouquin. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Sois N-Word et tais-toi. De Jean-Baptiste Onana. Oh nananana. Oh nananana. Qu'est-ce que c'est que ça? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Onana, un auteur... Mais qu'est-ce qu'il a... Pourquoi il a appelé son livre comme ça, Pota? C'est un petit artiste. En que fait, j'ai trouvé là. Non mais en fait, je sais ce que t'as fait, espèce de sale con. T'as tapé plein de banwords dans Amazon et tu t'es dit mais bon, écoute, je l'achète tout. Regarde-moi ça, ce super bouquin. C'est un bouquin. Oh, attends, c'est un bouquin. Il y a plusieurs. Il y a le cas Dieudonné, page 158. Tiens donc, ça va m'intéresser ça. La discrimination ethnique et raciale, le mythe de la France blanche, la tolérance une vertu française. Esclave noir. Mais tu montes la couverture quand même, c'est important. C'est un bouquin, hein. Oh, Twitch, c'est un bouquin, on ouais, y peut rien. C'est un bouquin, j'y peux rien, mais bon, c'est pas moi qui ai voulu l'acheter, hein. C'est un cadeau. Bon, c'est mon oncle raciste qui me l'a acheté. Bon, salut Grim, merci pour les subs, hein. ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous sub, hein. Ouais, et en plus, il en aura bien besoin. Dans le colis, il y avait marqué... une bonne année dans la joie et la bonne humeur. Ah, avec une petite lettre, bonne année, bah c'est gentil. C'est gentil. Attends, il a déjà ouvert ou pas encore? Ouais, j'ai ouvert 2 cadeaux là. On a ouvert un. Oh putain! Super. Bon, un qui est arrivé par colis privé, mais c'est encore un bouquin, espèce de con, alors que je l'ai pas du tout. Tu l'as déjà ouvert? Oui, j'ai ouvert. Montre la couverture sans regarder. Il en a déjà eu deux. Soit N-Word et tais-toi le livre, hein, qui m'a acheté. Mais bon. Eh, montre la couverture sans regarder. C'est à l'envers ou c'est à l'endroit là? Non, c'était parfait. Ah, mais t'es vraiment un putain de con, c'est pas possible. Mais en plus, c'est un truc d'occasion. Il y a le prix en francs derrière. 69 francs, le bordel. C'est spécialement pour toi, ça. Je sais que t'as un problème avec ça. Mais pas du tout. Mais l'antisémitisme en France pendant les années 30.
Ouais, ça te prend pas de mal de le lire, ça. Ça t'apprend... Ça t'apprend 2-3 leçons, ça. C'est écrit petit en plus, hein. Oh. On verra, ça te fait toujours rire après avoir lu le bouquin. C'est mon bouquin. Les demandes de terrasse. C'est ça mon bouquin de chevet. Ton bouquin de chevet. Oh, tiens, écoute, je vais me finir. Je vais me lire. Voilà. Bon, là, ce qui est bizarre, c'est que c'est en forme de. J'ai pas vu, hein, mais c'est en forme de. Je regarde pas. Hein. Y a encore un sachet, je l'enlève ou ça fait partie du cadeau, le sachet? Je sais pas ce que c'est, là. Ok. J'ai pas regardé encore. On dirait un déodorant. Ça, c'est toi qui l'as acheté, par contre. Hein. C'est quoi, ça? C'est pas un cadeau de pote, ça. Tu vois, je te le faire prendre ce matin. Attends, il y a marqué spray fétido. Oh, et la marque, les gars, vous devinerez jamais. Hein. La Fiesta. Il y a deux bouquins sur l'antisémitisme et il y a spray fétido. Attends, on va quand même sortir. Attends, c'est quoi, c'est un spray au prout, genre? Ah, j'ai vraiment pas envie de le faire là. Parce que. Va voir Emmanuel. Fais comme Emmanuel est pas là. Un parfum, t'en mets sur ton poignet. Ouais. Non, mais non. Mais non, mais t'as attrapé les mains, si jamais j'ai vu. Ça va puer vraiment la merde. J'hésite. Par contre, attends, chier sur ton siège là, avec ta grosse merde là, ça dérange pas, mais spray fétide. Attends, j'ai une idée. Je vais le mettre sur un mouchoir. Mec, simple, tu mets sous tes aisselles comme un bon petit. J'espère que ça pue bien. Un petit coup de spray fétido. Fétido, la fiesta. C'est une lacrymo. Aïe, j'ai ce que j'ai. J'ai envie de savoir l'odeur maintenant. Wow, non, mais... non mais il vomit vraiment ou quoi là? Non mais il a pas... Bon, il, est mais... il revient toujours pas là. Ça pue le trou non, du mais... cul là. Oh, on dirait qu'il y a le chat qui a chié dans la pièce, putain. Spray fétido. Le fétido. La fiesta. Hey, ça Hugo. Fait la merde. Non mais c'est sérieux, ça va aller à la poubelle ça. Et tu dis, mais qui c'est qui a pété là? Merci la fiesta pour ce spray. Mets-le sur le siège de quelqu'un à Noël. Attends, je vais voir le clip. Oh Hugo, oui. Hey, tu t'en mets sur la bite et tu vas voir Emmanuel. J'ai mis le spray fétido. La fiesta por todo el mundo. La fiesta para Hugo. Ouais, par contre, il est mort là. Sérieux, enculé, mais... ça pue la merde là. Ah salope. Spray fétido. Qu'est-ce que tu fais là? Je bénis la pièce là. Ah, c'est une bougie. Ah, au nom du père. Les cires. Ça pue la merde, hein, sale enculé. Là. Ah. Les cires. La communauté des cires, là, c'est pour vous. Bon, ça a l'air de s'atténuer. Bon, l'antisémitisme en France, il bougera pas du bureau. Hein. Attends, est-ce que tu reprends pas l'odeur? Imagine, t'attaques quelqu'un dans la rue et tu balances ça, genre en pleine gueule. Mais t'as bien vu ma réaction, j'ai failli gerber. J'avais mis le cœur en descendant. Ça se trouve, on rigole, mais le spray fétido, c'est plus efficace que les bonbons poivre. Mais tu m'as encore acheté des bouquins, mais je te déteste, sale con, il y en a deux. Allez, une petite cover là. Oh, la bibliothèque que tu vas avoir, mon gars. Oh, qu'est-ce que c'est? Vas-y. Oh, non. Mais c'est pas possible. C'est trop. Non, mais t'as fait la totale. Le petit B-word de Claude Reboul. Montre-nous la couverture. Non, là, je le connais pas. L'auteur est un saltimbanque, un artiste de rue qui officie pendant plus de 30 ans devant le centre Pompidou. Mais qu'est-ce que bah, super. Mais ça, c'est pas mon cadeau, ça, c'est toi qui t'es fait plaisir. Oui, hein. Bien sûr. Là, il est quand même marqué Amazon.fr en bas. Hein. Le mec se fait plus chier. Pourquoi maintenant. Ah ouais, je vois pas le titre. Je vois pas le titre. Si, tu l'as très bien vu. Je vais voir le titre quand même parce que ce dessin là sur la cover, il a l'air pas mal. Pourquoi il y a marqué ça sur le truc de spray fétido là? Bromas. Ah. Attends, il y en a un autre. C'est que le début. C'est encore un bouquin. Ah bah c'est pas le spécial finalement. Ah, le spécial caca. J'ai plus de cul. Alors il y a spécial caca. Oh. Tu as l'air un peu plus fier de le montrer au niveau de la cover. Bah celui-là ça va, je vous montre des petits dessins.
Voilà. Ça c'est bad ça. Ah là, là c'est terminé là. Ah là c'est vrai. Mais c'est de la merde, c'est juste des... Mais c'est vraiment à chier en plus, c'est que des animaux. Mais arrête un peu. Mais regarde, c'est que des animaux et ils se sont dit on va mettre un caca à côté pour qu'ils puissent le coller. C'est moi qui l'ai fait. C'est horrible ça. Oh, eh ben ça va dessiner en balle hein, regardez. Arrête, tu peux faire un live art hein. Wouah, on a vraiment de la crotte, est trop bien faite. Eh attends. Ça et le petit B, c'est franchement top. Hein. 40 animaux marrants qui font caca pour adultes et enfants. Putain, eh ben, ça vrai, fait... c'est attends, propre. Je vérifie. Super. Non, je vérifie si j'en ai un autre. Ah, il y a autre chose. Dedans. Il y a autre chose. Putain, mais il y a tout en fait. Putain, il t'a régalé, hein. Comment il le montre? Il l'a montré, mais moi j'ai peur, je me suis dit, attends, il y a... Il l'a montré fièrement. Ah mais attends, collection et... Ah, c'est des histoires courtes. Ah, les voisins. Ouais, bon. Je vais essayer de vous faire vivre le dernier examen de contrôle que j'ai subi suite à mon traitement. J'ai 50 ans et comme on me le dit souvent, bien conservé. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un moment, il met sa bite, bon... Écrit par Marlène Chapin. Oh, oh attends, ah, c'est un docteur qui tripote ses patients, c'est terrible par contre. Oula, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je n'avais jamais ça senti un... Je me contrôlais de moins en moins. Puis à un moment, mon corps s'est complètement arc-bouté et j'ai poussé un cri incroyable avec un long hurlement à l'instant où je sentis le long de ma cuisse gauche une certaine chaleur. Plusieurs giclées que je n'avais jamais eues, mais chose incroyable, mon sperme me sortait à flot de mon méa qui me donnèrent des convulsions de plaisir. Je n'avais jamais senti un tel orgasme. Je n'avais jamais eu un plaisir si intense, mais surtout, jamais sur longtemps et si abondamment de semences. Bon, allez, bah, tu m'as eu. Ça y est, c'était Ruquier, je le savais. J'ai compris. Tu veux sentir mon sperme, toi? Tu m'appartiens désormais, Dieu, je suis à toi. Alors regarde la caméra et souris. Ah, que c'était bon, t'es pas mal cute avec mon jus comme ça, hein. C'est horrible, ton putain de bouquin, là. C'est insoutenable, là. Bon, cette capote, j'allais la retirer. Ah, mais y'a encore autre chose. Y'a encore deux allez. Trucs hey, c'est Noël, que, il m'a c'est pris Noël, que des mec. Bouquins, je suis sûr qu'il y a encore des insultes. C'est pas moi, Twitch, hein. Des insultes. Des insultes. Attends. C'est quoi? C'est quoi, là? Attends, quoi montre bien, attends, montre bien. On a pas ouais, vu. Ouais, non, j'ai vu. Montre-nous, on a pas vu la caméra. Si, ils ont vu, c'est... On a vu, je te jure, on a pas vu. Condorcet, réflexion sur l'esclavage des N-word. Voilà, c'est super. Non mais t'as pas honte. Mais t'as pas honte. Mais c'est toi. On va faire un haul de tes livres comme ça. Bah, j'ai fait présentation. Alors, j'ai lu note, dernièrement. Présentation, note et dossier sur le code noir de 1685 de Jean-Paul de Guay. Eh ben bah, dis donc. Bon bah j'ai y a. Fini, toi. Il y a encore des. Stopper, là, il a écrit quoi d'autre? Je veux bien savoir. Bah, je vais en apprendre beaucoup sur l'histoire de France. Hein. Super. Ça te plaît d'acheter ça, Hugo? Ferme-la. C'est ton histoire. Hein. Attends, j'en ai encore. Non, c'est connard. Voilà. Oh, elle est bien. Elle est pas mal. Oh non. Quoi? Farid Ameur. Mais ça m'intéresse pas en plus, les autres. Bon. Quoi bah, c'est... Attends, c'est éducatif, merde. Docteur en histoire, Farid Ameur est spécialiste des États-Unis. Il est auteur de plusieurs ouvrages, voilà. Eh ben super. Aux éditions Pluriel, hein, au cas où. Si vous voulez acheter chez vous. Édition plurielle. Merci pour la reco. Par contre, ça, je pense que je vais le lire en live. Attends, mais il en manque un. Ça marque livré aujourd'hui. Il a été livré aujourd'hui? Parce que je suis allé dans la boîte aux lettres avant le live et j'ai rien reçu encore. Donc, ça se trouve, il vient de le livrer là. Attends, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4. Mais là, je peux ouvrir une bibliothèque. Il y a un, hein. Y a un tout dernier. Fais-toi tout un étage, hein. Fais-toi tout un étage avec tout ça. Il y a un tout dernier, attends. Oh, le petit B-word. c'est un super, hein. Oh là là là, bah, belle collection de bouquins. Je pense que je vais en offrir, hein. Lisant bah, oui. Noël au repas. Ça fait une sacrée... Le colis est livré dans la boîte aux lettres, Hugo. Va vite voir, va chercher en cours. Bon, oh là là, vous animez le stream en attendant. Ça, c'est rendu allez, là, allez, dépêche-toi. Bah tu vois, il savait pas quoi offrir à ses parents à Noël. Voilà, bah, c'est bon, vous avez le cadeau là. Ah ouais, c'est quoi votre type préféré de la sélection? Moi j'ai bien aimé... Mais, sans le dire, vraiment. Sinon parce que...
Moi, j'aime bien le petit B, hein. Je trouve que c'est quelque chose de... d'enfin créatif, tu vois. Il y a une DA, je trouve. Il a dit, c'est ton histoire. Quel enculé. Tu rigoles, mais il va vraiment tous les lire, hein. Il va faire une review de chaque livre. Si sa meuf a une bibliothèque avec plein de livres, il pourrait les caler discrètement chacun. Les caler entre les livres de Émile Zola, là. Ça va, mais tais-toi. Mais après, Emmanuel a dit qu'elle l'avait ouvert. Le livre ? Ah. Non, elle aurait pas dû lui dire. Ah. Plus, c'est pas ban, hein, c'est des bouquins. Hein. Bah ouais, c'est des bouquins. C'est sur Amazon, merde. Hein. Moi, j'ai pas rien, hein. Vous savez combien ça m'a coûté, ça ? 100 balles. Hein. Beaucoup trop cher. 100 balles. Hein. Beaucoup Il y a du budget cher. Cette année pour les cadeaux. Hein. Ah ouais. Attends. Eh, le petit B, on rigole, mais quand même 15 euros. Hein. Pouah. Mais ils se mettent bien. Mais non, mais en plus, c'est-à-dire, les mecs... J'aimerais bien qu'ils remontent la couverture quand même, après. Juste pour vérifier le truc, quoi. Putain, mais ces trucs, en plus, vous êtes des best-sellers et tout, non ? Bah, bien sûr, c'est des best-sellers. Attends. Oh. Tu les as lus avant de les envoyer, on dirait. J'ai lu au collège. On me l'a offert. Du l'assommoir, vous avez dit ça. C'est... Oui, bon, après, j'ai mis un sacré budget. L'autre, il m'a acheté son merch à 150 euros, quoi. Que t'as brûlé la moitié, quand même. Hein, c'est... Non, non, on brûlera pas ses livres, cette fois-ci. Donc, non, tu vois ce qu'il devrait faire ? Il pose le petit V derrière, là, à côté des figurines. Oh, mais petit easter egg. T'as ramassé la merde avec des charmes quand même, là, j'y repense. Faut savoir que sa boîte aux lettres est à plus de 5 km. Hein. Attends, Terra, t'as reçu le cadeau de... Si tu fais avec qui ? Maxime ? Avec Maxime, mais il m'a dit qu'il y en a un qui est pas reçu. Ah, merde. Ah, ouais, le cadeau de Théo, il est en cours de livraison. Petit bébé de Death Stranding qui... C'est bon. Ah. Alors, par contre, je suis désolé, mais là je vais regarder avant. Non, 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 non. C'est un joyeux. Non, mais t'abuses, enculé. Non, mais t'abuses. Non, mais montre un petit coup quand même. Là, je montre. C'est un livre. C'est une BD. Regarde. Bah oui, mais oui, mais bon, le titre est assez explicite quand même. Non, Mais t'es complètement fini à la piste. Oui, c'est des dessins, il y a des mecs qui ont bossé. Ce livre. C'est plutôt bien dessiné, hein, en plus. Hein, mais... Voilà, bah, j'ai une BD. Oh, en plus, je tourne une page au hasard, il y a un mec à poil avec un zizi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est Boule Chocol, non du... Qu'est-ce que c'est? C'est Tête de N-Word. C'est un livre... Apparemment, c'est le livre 1. Il y en a plusieurs. En France. La saga, c'est par qui? Picouli, Yog et La Volée. Donc voilà. Batterie épuisée. Batterie épuisée. Oh. Il l'a montré en le retrouvant. Ah merde. Il n'en peut plus là, la caméra. Ben de Twitch. Non, non, Ben de Twitch, c'est des bouquins. Ouais. J'en ai marre, moi. Ah, c'est bon. C'est juste Hugo qui nous montre son haul. Donc tu m'as quand même acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bouquins avec des mots, des banwords, tout ça pour me faire bannir, espèce d'enculé. Non, c'est pas du tout. Alors là, c'est pour que tu... Remonte la cover du petit B, j'ai quand même envie de voir les dessins. Tu peux remontrer tous les livres pour qu'on soit bien sûr que t'es tout. Je pue du cul. 40 dessins loufoques. Ouais. Le pire, c'est quand même qu'il y a des trucs qui viennent de bibliothèques. Genre, c'est... Il y en a un, il a bien vécu. Hein. L'antisémitisme en France, le livre officiel, il est bien dégueulasse. Hein. Ça a été emprunté par plusieurs antisémites, hein, autant vous le dire. Bah, c'est l'heure, hein, comme on dit. Oh la vache. Soit N-Word était toi, il fait peur quand même, le titre, hein, la vache. Il m'a surpris tout à l'heure. Je veux dire que c'est derrière, tu vois ça là. Bon bah merci hein, Pota, pour tous ces bons cadeaux. Ah bah de rien. Je pense qu'ils vont siéger sur la bibliothèque. Hein. Attends. Mais tu sais que. Attends. Qu'est-ce qu'il y a?
Soyez noir, c'est un Renoir hein, qui l'a écrit. C'est pour critiquer, oui, oui, justement. Je sais. Ah, mais c'est des livres engagés, hein, tu rigoles, mais c'est des livres engagés. Attends. Putain, mais heureusement que j'ai checké quand même le dernier parce que c'est pas possible. Mais t'es chardé, c'est justement pour critiquer. Attends, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 5 banwords, espèce de chtarbé là. C'est pas des banwords, c'est des livres engagés, je te dis. Au final, le meilleur bouquin dans tout ceci, c'est Pokémon Go, le guide du joueur. Hein. Je suis désolé. Et ça aussi, c'est pour dénoncer ça. le mec Amazon qui a préparé ta compte. Oh là là. Bah tiens, attends, ouais, Pokémon Go. Il a dû se dire, il a fait un cadeau pour chier. Son petit neveu et le reste du temps il est raciste, le mec. Super. Le truc Amazon, c'est je vais signer la préface quand même. Je passe pourquoi, moi. Je passe pourquoi. Bon, bah merci, Pota, pour tous ces beaux cadeaux. Hein. Voilà, super, merci. Un petit Prout Fettino. Non, le Prout Fettino, je l'ai mis en bas dans la cave hein, parce que c'est dégueulasse. Mais tu sais que le truc, même quand j'ai refermé avec le bouchon, ça continue à appuyer le trou du cul. Hein. Mais c'est incroyable, c'est incroyable à quel point ils ont réussi à bien synthétiser l'odeur d'un trou du cul qui vient de faire un caca. Vas-y, mets-en devant la porte de chez tes voisins. Mais non, j'aime bien mes voisins. Par contre, si un jour il y a quelqu'un qui me fait chier, je le mettrai sur sa porte. Et ce sera bien. Non, alors, prochaine Paris Games Week, tu vas, t'asperges des gens au pif avec. Bromas, je vais lui mettre un petit peu de bromas. Il a eu quoi comme cadeau? T'inquiète. Je dis pas. J'ai eu quelques... Bah tu verras sur la rediff hein, quand je la posterai sur YouTube. Vu que t'as pas le macaron des subs. Il reste plus que... Grim, Terra... Théo. Attends, c'est qui coffre à Théo? Moi. Ok, bon. Il va avoir un cadeau, ça va être... ça va pas être... un cadeau comment à 5 euros, qu'est-ce que tu veux acheter? Un truc bah, cher ou pas? Après les gars, je veux pas... Non mais Grim. Mm-hmm. J'ai oublié de le dire. De quoi? Non, dis pas. Tu sais ce que c'est, toi? Ah, tu sais ce que c'est? Non, mais en fait, quand je vois le cadeau qu'il a offert à sa meuf, je peux pas m'empêcher de me dire. Non, pas. Qu'est-ce que t'as offert à ta meuf? Non, faut pas dire. Bah, si elle regarde, elle va se faire spoiler, mais. On va pas regarder. Non, je dis bah, pas. Bah, je sais pas, j'en sais rien comment elle est. Je prends pas de risque zéro. Sachez quand même que je vais faire l'effort d'en lire au moins un pour donner mon avis objectif dessus. Érotique et gay, moi j'aime bien. C'est peut-être l'occasion pour moi de me mettre à la lecture. Hein. Salut Romain, salut Martin, salut Mamoudiak, salut tout le monde. Aujourd'hui, live un peu court. Live un peu court parce que je vais vous montrer un truc, ok? Je vais vous montrer un truc. Alors. Oui, j'ai... Déjà je suis en suite, voilà, je tiens toujours au gage, hein. J'ai un putain de suite. Oui, j'ai acheté ça en vinyle et j'ai acheté ça. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Ça, c'est noté. Ça, vous l'avez vu, ok? Ça, c'est fait. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que derrière moi, j'ai des cadeaux. J'ai des cadeaux derrière moi, j'ai des putains de cadeaux. Et ces cadeaux, ouais, voilà, oui, c'est un gage sweet. Je mets pas ça, c'est mon métier. It's my job. Regardez-moi ça. Oh, merde. Oups là, attends, voilà, it's my job. Un super split, un super ensemble. Un ensemble de caca boudin, en effet. Écoutez, Remly, voilà, Remly dans le chat. Vous savez, on fait un Secret Santa avec la caca box. Et moi, il se peut que je sois avec Remly. Alors Remly, je vais lui faire un putain de cadeau et il va avoir un cadeau de taré. Mais là, il m'a offert ça. Alors, ah, C'est ultra lourd sa mère. Donc, il m'a offert deux cadeaux. Et apparemment, ce n'est que la première fournée. Et ce fils de pute, ça, ce colis-là, c'est 5 kilos. 5 kilos, ce putain de colis. L'autre colis, c'est 10 kilos. 10 kilos, ok? Donc, c'est ultra lourd. Et ouais, ça, c'est l'entrée. C'est ultra lourd. Je sais pas ce que c'est. Et ça m'a bien cassé les couilles quand j'ai dû le soulever jusqu'au premier étage. Remly, tu es là. Alors, attends déjà. Oh, le fils de pute. Ok, Remly, tu es là. Remly. Je commence par quoi? Je commence par le 10 kilos ou le 5 kilos? Je fais quoi? Qu'est-ce que je dois faire, Remly?
Je commence par quoi? Mais Potaf, il te cherche à deux jours. Mais parce que les gars, écoutez, moi, c'est rapide. Rémi, la prime, j'ai prime aussi. Rémi va recevoir son cadeau vendredi, je crois. Le 10. Ok. Rémi va recevoir son cadeau ce vendredi. Et c'est un super cadeau. Oh putain de merde, attends. Bordel. Ok. Oh, c'est super long, fils de pute. Il m'a commandé un meuble. Bon, attends. Je vais baisser la caméra. On voit. Là, c'est bon pour vous? C'est bon? Niveau micro, parfait ou pas? Je sais pas. Attendez. Ok. Ouais, mon cadeau, par contre, il est vraiment banger. Je pense que c'est un cadeau bien empoisonné, bien incroyable. C'est nickel, carré? Ok. Je sens que ça sera une connerie à monter un meuble. Apprécie bien ton cadeau, mon grand. Déjà, rappel, Jean, l'année dernière, m'a envoyé une pelle. Voilà. Donc là, je pense qu'on est à un autre... un nouveau niveau. Attendez. Je suis sûr qu'il m'a envoyé un truc pour que je maigrisse. Ah, meilleur qui m'appelle. Bon, excuse-moi, maman, je fais un live. Il m'a envoyé un truc pour maigrir. Moi, je suis sûr. Quel enculé. Si ça, c'est pas drôle. Oh, t'es fou, fils de... Attends. Quel enculé. Oh, fils de pute. Oh, le fils de pute. Qu'est-ce que je fais avec ça, sale enculé? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis dans un 25 mètres carrés. Oh là, mais... Ça t'a coûté combien, sale enculé? Il m'a acheté des trucs pour poissons. Tu dois l'ouvrir et le déposer dans la pièce. Oh, la nique ta mère. Et le second... Mais fils de pute! Là, tu vas me dire... Que j'ai soulevé 15 kilos ce matin pour ça, là? Nique ta mère! C'est trop nul! Non, en vrai, attends. En vrai, c'est un beau cadeau piège parce que... Ça, je sais pas quoi en foutre. Je le fous, ça. Le problème, c'est que je peux même pas le donner à un voisin parce qu'il y a aucun voisin chez WAM qui a besoin de 5 kilos de poisson. Attends, remarque! Oh, dans ton cul! Mes parents, ils ont une... ils ont un truc avec les poissons, une bassine. Oh, dans ton cul! Je vais pouvoir faire le... Oh, putain! Eh, hop là! J'ai trouvé l'utilité. Nique ta mère, c'était trop nul. Trop nul. Cependant, on a... Oh putain, un second cadeau. Alors, second cadeau, je sais pas ce que ça va être. Déjà, il faut savoir que là, les gars, j'ai ouvert deux colis et il y en a encore un qui est en cours de livraison. Bon... J'ai 10 kilos de gravier à poisson. Moi, je me demande ce que je vais avoir là-dedans. Peut-être que j'ai des vrais... Je vois des vrais poissons vivants, imagine. Oh, la dinguerie. Attends. C'est par contre un peu... Bulle ! Mais c'est trop nul ! C'est la même chose ! C'est la même chose! C'est 15 kilos de gravier, sale fils de pute! Alors, attends. On va faire un topo des cadeaux. Très très gros flop de la part de Remly, voilà. Je pensais que c'était un autre cadeau. Très très gros flop. Bon ben voilà hein, les gars, c'était le live de 10 minutes. J'ai reçu du gravier pour poisson et du gravier pour poisson. Oh putain. Pour poisson. Attends. Et du gravier pour poisson. Voilà, donc merci Remly.
Il faut savoir, Rémi, que vu que j'ai un bassin chez mes darons, ton cadeau, il me sert. Donc c'est super gentil, merci beaucoup. Et maintenant, attendez. Apparemment, c'est pas le seul cadeau que Rémi m'a envoyé. Apparemment, l'autre cadeau, il sera pour l'année prochaine. Enfin, techniquement, ouais, le plus important, c'est le grand cadeau. Non, ouais, fais-le maintenant, Flago, tu vas pas lancer un stream encore. Mais c'est quoi après cadeau, c'est une raquette de télévision. En gros, RMI, c'est ce qu'il fait. Donc, il habite dans un taudis, en fait. Il a mis des assiettes partout, putain. Il a bousculé SDF, là. Le crocodile, là. Vas-y, attends, mais il t'a offert ça, là. Juste savoir, il t'a offert quand en premier, comme premier cadeau. J'espère que c'est safe, hein. Parce que je vais streamer. Je sais pas. Bah, je pense c'est mal la petite coupe. En vrai, c'est Rémi. Oui. Oh, le whisky qui vient de se réveiller. Hein. Alors, c'est Jacques c'est... de Sange. Hein. Ouais. Donc là, on est vraiment dans le taudis, quoi. Le gange. Oh, le camion. Oh, l'odeur de la basket en bas à gauche. Alors, du coup. L'odeur de. Oh putain, la selle sur le vélo là. Le petit PQ t'a bougé derrière là. Y'a rien. Elle appelle à l'aide. Hein. Oh là là, l'odeur de. Il est grenouillé. On arrête, on arrête. On arrête. Les droite, contre, le dégueulasse derrière, le dégueulasse derrière. Tu parles de lui là ? Ouais, ok. Vas-y. Ça, du coup, j'ai ça. Ça pue dans cette chambre. Merde. Attends, j'ai ça là. C'est un cadeau. Ça sent la merde ici. Mais vas-y, mais enlève-le ce filtre. Enlève le filtre, on voit rien. Alors à la base, je devais attendre un autre colis. Enlève le filtre. Mais j'ai le vélo derrière. Non, mais la godasse à gauche, sérieux. Oh, la Lendai qui se tape, putain. Tiens, ma godasse. T'as bouffé un vieux ou quoi? Mais regarde, en milieu, il y a un vélo, c'est pas ce qu'il fout là. Grosse souhaite d'araignée sur le vélo. C'est vrai qu'on dirait une cellule, sa chambre. Et personne, vraiment personne, le vélo, en fait, de présence, rien de plus. Oh, le mur blanc derrière. Oh, le mur blanc. Allez, on arrête. Oh, l'interrupteur, non, mais t'abuses, l'interrupteur. Oh, les sopalins à droite. Oh, les sopalins, ah, chacal. Oh, le vélo qui a jamais servi, il est d'araignée dessus. Ah, on arrête. Oh, le micro-ondes. Le micro-ondes, j'ai une pizza de 2 mois. Et il s'est déjà branlé dans ses draps. Vous êtes des bullies. C'est bon ? Ça va, Frigo ? Ça va, tranquille. Non, vas-y, c'est bon. T'as des cadeaux à nous montrer ? Oh, regardez, il y a un rail qui vient de passer. Petit flop. Bon, malgré l'intervention de Grim, moi, du coup, à la base, je devais pas l'ouvrir, mais je l'ai ouvert parce que je suis sur notre colis, c'est ça. Je sais pas ce que c'est. C'est pas drôle. Il est ouvert là, non ? Oui, mais. Je sais pas ce que c'est. C'est un cadeau de Remly, mais je te jure. Alors, ça, les gars, c'est un cadeau de Remly. Il pue la merde. Il m'a offert des. Je sais pas ce que c'est. Un caleçon, non ? Je sais même pas. Un caleçon ou des chaussettes, je pense. C'est un caleçon. C'est des chaussettes, ouais. Ah oui, c'est un caleçon. C'est pas caleçon. C'est pas juste un caleçon. Il est bon, Noël quand même. On va mettre le caleçon, écoute. C'est quoi cette merde ? Non, mais qu'est-ce que c'est ? Il est bon. Non, mais. Il va le mettre. Mais du coup, il avait acheté juste des Pères Noël, genre vraiment le cadeau de merde. Et là, classique. Au début, là, vous, c'est un classique. On croyait que. Horrible. Oh, non. Le cadeau du cul. Ta gueule. Au secours. Dis-nous, Flago est tout nul là. Hein. Allume mes bouquins, Hugo. Ouais. Le guide de l'antisémitisme seulement. Madrose aurait aimé. Il est en noir aussi, j'ai regardé quelques dessins. C'est ouais, on se calme sur les. Ah, le caleçon! Non, mais c'est dodo! Mais c'est dodo la potoche! Ah, c'est dodo! Ah, lui, il le veut devant! Lui, il le veut devant! C'est merde! C'est ça, c'est la sauce barbecue qui monte au cerveau! Tu te penches bien, salope, hein! Cambre! Tu cambres, hein! Dandine-toi un peu! Et après, t'enlèves le sien! Dites-vous que là il est à poil là, on a un clic de le voir tout. Là si il ouvre sa cam, je suis mort. C'est devant. Ouvre, oui, mets-le derrière. Mais non, c'est pas devant, c'est le trou du cul. C'est pas grave, au pire tu mets à l'envers, devant, hein. C'est pas grave. Je suis sûr que c'est devant. Non, c'est devant, c'est devant. Ouais, oui, pourquoi il écarte devant alors? Il sort de la braguette. Tu vois? Non, il écarte pas devant. Maxime, je te vois dans mon chat.
Ah. Oh, oh, ça, c'est... Oh, c'est... Oh, j'ai eu peur, oh, là, ça va. J'ai eu peur. Laisse, laisse. Ouais, si, j'ai... Non, si, comme ça, c'est mieux, c'est bien. Là, c'est bien. Ouais, bravo. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, là-dedans, là? Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon slip? On fera comme ça, Terra et Ban. Vas-y, 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 deux semaines de vacances pour lui. Attention, attention, un seul geste et c'est terminé. Mais Maxime, t'imagines l'odeur? Oh là là, la quantité. Wow, wow, wow. Oh non, mais regardez-moi, regardez-moi ce popotin, il est fantastique. Non, par contre, le cachet, il est zinzin. C'est parti. Trop molle, sérieux. Très très beau cadeau. Bravo. Ouais. Salut. C'est quel sens? C'est je pull up. Je pull up 2.0. Attendez. Attendez, on va se mettre en full cam. Tu vois plus rien du tout. Attends, j'ai baissé la musique. Ah. Salut Grim, vas-y, salut. Bon. Alors, j'ai reçu le... Oh putain, attends, mon micro, il est super fort. Attendez. J'ai reçu le cadeau de Flygo. Alors, malheureusement, j'ai été spoil sur le contenant. Parce que y a pas de carton autour. Genre, je vois ce que c'est direct. D'ailleurs, je me suis pointé devant le livreur. J'ai demandé si c'était ça. Il a dû me prendre pour un con. Genre, qui commande un truc et demande ce que c'est, genre. Là, je suis en train de le regarder. Il y a une lettre avant, d'ailleurs. Il faut que je l'ouvre. Je sais pas ce que c'est. C'est un autre colis. J'espère que c'est juste une carte et c'est pas un truc chiant encore. Mais c'est pas grave. Vous allez avoir la surprise, vous. Sachez que, franchement, j'ai imaginé beaucoup de trucs. Franchement, j'aurais jamais pensé à ça. J'aurais vraiment jamais pensé à ça. Genre, je sais pas. Genre, j'essaie de comprendre, tu vois. Genre, je réfléchis comme un créatif, tu vois. Je me dis, ok, quel était son processus pour avoir cette idée. Je n'arrive pas à comprendre comment il a eu cette idée. C'est vraiment, je ne comprends pas. Genre, qu'est-ce qu'il lui a pris? Enfin bref, j'ai pas énormément de temps, donc je vais aller vite. Le Pulwise m'a demandé de payer le loyer. Mais c'est mon pyjama, c'est bon. C'est mon pyjama, voilà. Arrête d'utiliser entre nous. Vas-y, vas-y, je vais vous montrer. Attendez, je vais allumer les lumières. Comme ça, on sera au max. Attends, il est... Ah! Quoi, c'est ton pyjama la honte? Bah, frère, je bosse chez moi, je fais tout chez moi, donc oui, je suis en pyjama. Ouais, je vais montrer le petit d'abord. Regardez, on se met en mode... On se met en mode... Comment on appelle ça, là? Ah, en mode chaleureux, là. Ah, bon, c'est parti, je vais aller chercher le petit cadeau. Alors... Le petit cadeau, alors, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai pas fait le con. J'ai enlevé mon adresse dessus parce que, voilà. On sait ce qui s'est passé, bref. Bon, c'est un petit colis comme ça. C'est pas... ça paye pas de mine. Tu vois, c'est... Y a... Ah, si, y a un petit truc rigide. Attendez, je vais baisser la musique encore. Hop. C'est rigide, c'est... je sais pas, c'est bizarre, on dirait une carte. Je pense que c'est une carte de Noël ou un truc comme ça. Je pense qu'il m'a mis un petit mot. Je pense qu'il m'a mis un petit mot. Bon, allez, je vais l'ouvrir. On va pas attendre plus longtemps. C'est quoi ça? Attendez, il y a un petit papier qui va avec. Ok, je crois que j'ai vu un mot sur le petit papier. T'es une merde, hein, je crois. Ok, donc là, vous savez pas ce que c'est. Je vais le déballer. Vas-y, je vais m'éloigner et je vais le déballer. Ce fils de pute. C'est pas une trousse. Attendez. Comme ça, on m'entend et regardez. On investit ici. Je vais le déballer, vous allez comprendre pourquoi je m'éloigne.
Attendez, je vous montre. Attends, à l'abri des regards. Je mets là-haut. Ouvre pas, connard, là. Attendez, j'ai des ciseaux. Vas-y. Ah! J'ai pas envie de vous spoil. C'est pour ça, je veux pas vous spoil. Attendez. Je le mets comme ça. Oh merde, je crois que j'ai spoil. Ce fils de pute. Regardez ce qu'il m'a offert. Regardez ce qu'il m'a offert, ce fils de chien. Ouais, ouais. Et la moula, et la moula. Bon, ça, c'est la petite blague. Voilà, faites vos screens. Voilà, voilà, vas-y, faites vos screens, voilà. C'est bon, j'en ai rien à foutre. C'est un drapeau, hein. Ah. C'est un drapeau. Attends, d'ailleurs... Un jour, peut-être que je vous montrerai, j'ai une photo de moi. Je suis enroulé dans un drapeau algérien, c'est magnifique. Enfin bref. Bon. Premier cadeau de merde de Flygo. Un peu déçu. Non, je rigole. C'est sympa. Bravo les lesbiennes. Oui, bon, les messages, voilà. On va se faire foutre. Alors. Ok, c'est un beau cadeau, j'avoue que c'est un beau cadeau, Flego, c'est marrant, je rigole, voilà, ça se voit. Pourquoi bravo? Ah. Bon, c'est pas pour ça que j'ai lancé le stream, enfin si, c'est surtout pour le deuxième cadeau qui est immense. Attendez, je vais le cacher sous le drapeau, vous allez voir la taille du truc. Attends. Ok, ok, c'est bon. Ok. Attendez, on a le drapeau. On l'a posé ici. À votre avis, c'est quoi? Vas-y, regardez la taille du truc. À votre avis, c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Poupée gonflable, fur. Une botte de foin, ah ouais, non. Et par contre, ton cadeau, c'était Masterclass, Grim. Un cercueil. Un clavier tout blanc. PS5, oui, oui, une PS5. Du caca. Putain, si c'était du caca, franchement, je serais un peu dans la merde. Hein. C'est qu'à de le dire, parce qu'il fait, au moins 10 kilos, le colis. Bon. La personne qui a trouvé, ça m'étonne pas, parce que j'aurais jamais pensé à ça. Vas-y, en avant-première, vous allez voir le cadeau de Flygo, le cadeau de Noël qu'il m'a fait. 3, 2, 1... Change de lumière d'envers. Regardez ce que ce bâtard m'a offert. Une putain de tondeuse à gazon. Il m'a offert une tondeuse à gazon. Je n'ai pas de jardin. C'est ça que vous comprenez pas. Je n'ai pas de jardin. J'habite à Paris. J'ai pas de pelouse. Il m'a offert une tondeuse à gazon. C'est un scandale. Genre, frérot, qu'est-ce que je vais en faire? En plus, le truc, il est super gros, quoi. Genre, regardez la taille du truc. Je vais devoir le vendre. Hey, tu l'as payé combien? Attends, je vais peut-être pouvoir le revendre un bon prix, ça, en fait. Elle a l'air incroyable. Mais elle a beau être incroyable, je n'ai pas de jardin, j'habite à Paris. Je connais personne qui a un jardin. Si, je connais des gens qui ont des jardins, mais ils ont déjà des tondeuses. Par contre, attendez, j'ai envie de l'ouvrir. J'ai envie de l'ouvrir. Attendez. J'ai envie de l'ouvrir, attendez. J'ai envie de l'ouvrir, elle a monté. 57 euros. T'as été rapide, toi.
Allume-la. Je te jure que j'y ai pensé, hein. J'ai pensé à l'allumer, je me suis dit, bon. Le problème, c'est qu'il y a les larmes en dessous. Comment on ouvre cette merde, là? Attendez, on ouvre comme ça. Attendez, on rapproche le micro, sinon vous n'allez pas m'entendre. Hop. Elle est électrique? Ouais, j'ai l'impression. Attendez. Comment ça s'ouvre cette merde? Mais attends, mais une tondeuse à 60 euros, ça doit être de la merde, non? Ça doit être trop nul. Ah. Non mais je sais pas si je l'ouvre totalement, parce que c'est sûr je vais la revendre, hein, ou la donner à quelqu'un. Et merci Flygo, hein. Comme ça me fait un cadeau de Noël. Vas-y, pour mes grands-parents, je vais leur offrir ça en mode hey, je vous ai trouvé un cadeau de Noël. Merci Flygo, hein. Bon, on a quoi? On a que du plastique. On a du plastique. Encore. Ah, mais elle est minuscule. Ah, on dirait les voiturettes, là. Tu peux monter dedans quand t'es petit. Attends, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est quoi ça? C'est l'allumage. Regardez, il y a la lame. Franchement, j'aurais pas confiance, hein. Vous voyez pas la lame? Une petite lame. Mais putain, ouais, c'est un jouet le truc. Non, je vais pas l'allumer, c'est trop dangereux. Ou alors j'enlève les lisses. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de jardin. Je vais tondre quoi, les crottes de chiens dans la rue de Paris? C'est terrible, hein. Ça marche comment, ça? Faut pas l'enlever. Monte la jauge d'huile. Mais je pense à... Pas de jauge d'huile dans ce truc. Je sais pas comment ça marche. Le mec, il essaie de l'allumer alors qu'il est pas branché, hein. Mais j'ai pas de pince pour enlever ça, attendez. Vas-y, attends. Je vais essayer de l'allumer. On va mesure de sécurité. Putain, mais le... C'est trop petit, ça. Attendez, je vais essayer de l'allumer. Attendez, comment je peux faire? Ah mais je peux pas, j'ai pas la prise pour. Je peux faire. Mais non, je peux pas l'allumer. Bon, de toute façon, en plus, c'est trop dangereux, je pense. Mais j'aurais... Dommage. Tout va sauter. Ouais, je vais faire sauter l'alimentation de chez moi. On va éviter. Mais en tout cas, beau cadeau. Merci, Flygo, hein. Franchement, je sais pas comment il a trouvé l'inspi. Il va mettre la tondeuse par accident sur le drapeau. Je vais me retrouver sur des threads. Alors que, voilà. Je m'en fous. Y a rien de dangereux. Oui. Il va allumer sur le lit. Bah en vrai, y a rien de plus sécur, hein, sur un lit. Non mais c'est...
Putain, mais par contre, elle est jolie. J'ai vu des tondeuses à gazon dans ma vie. Celle-ci est jolie. Anecdote, je voulais t'offrir un costume de KKK à la blaze. Franchement, j'ai préféré la tondeuse. Franchement, elle est belle. Hein. Et quelqu'un la veut ou pas? Je la vends. Je la vends 50 balles. 50 balles la tondeuse. Si vous avez un jardin. Ah. Bah écoute, Flygo, merci. Hein. Même si, bon, tes cadeaux vont pas me servir à grand chose. Quoique, le drapeau, ça peut être marron. Qu'est-ce que je peux en faire? Même si les couleurs sont atroces. C'est vrai, et vraiment, les couleurs du drapeau, c'est arc-en-ciel, je trouve ça trop moche. Hein. Voilà. Je veux bien que tu me la donnes, j'ai un jardin. Atroce. Bah non, mais c'est juste le mélange des couleurs, quoi, en fait. Les couleurs sont atroces. Mon dernier cadeau, nique ta mère! Attends, c'est vrai? Putain, c'est le vrai? Il mélange des couleurs. Bon, non, mais c'est juste. Tu vois, il y a des drapeaux qui sont beaux, qui ont des belles couleurs. Multicolores comme ça. C'est. Je suis un graphiste et je fais des trucs multicolores et tout, bien saturés. Mais là, sur ton mur, et tu me laissais sur Twitch, tu peux faire toutes les dingueries. Je vais le donner à. À qui je pourrais. Je vais l'offrir à Léfi, il en aura plus d'utilité, je pense. Parce que moi, bon. J'ai pas besoin de m'identifier comme ça. Je pense que Léfi, ça pourra lui servir. Ah. Hop. Regardez comment je le traite bien. Hop. Bon bah voilà hein. Aujourd'hui là vous avez vu Secret Santa Caca Box, on est les derniers. On a nos cadeaux. Ouais. Attends, qui ouvre en premier? C'est au chat de décider je pense. Ok. Mais les gars, en tout cas on a chacun un cadeau pour ceux qui connaissent pas Secret Santa, je vais quand même expliquer. Vas-y, explique. En gros c'est très simple. Grim a donné son adresse, j'ai donné mon adresse à Grim. On s'est offert un cadeau, on sait pas ce que c'est. Et là on découvre maintenant ce que c'est voilà. Tous les deux. Et le cadeau le plus nul, l'autre il se fait dox. Voilà, c'est ça Secret Santa un peu. Alors petit rappel des cadeaux de l'année dernière, Grim avait offert à Snaptrox une botte de foin qui était grande en plus hein. C'est enculé, elle était énorme. C'était un classique hein, la botte de foin. Et en plus moi j'avais offert quoi? J'avais offert deux épouvantails de 1m80 chacun à Terracide. Non ça c'est trop. Les deux épouvantails de 1m80 ça c'est trop grave hein. C'est vrai, au début, alors je voulais dire parce que visiblement, c'est très bien que c'est pas ça, mais je voulais acheter une brouette à Grim. Va te faire enculer! C'était 60 balles, et franchement, ça prenait de la place. C'est, genre, c'était gros comme ça, et une brouette en plus à Paris, c'est vraiment pas utile. Faut aller se faire foutre. J'ai pris autre chose, et normalement, c'est classique aussi. Attends, je mets un poll pour voir en gros qui ouvre en premier. C'est vous qui choisissez qui ouvre en premier, c'est Théo ou c'est Wam? J'ai fait une balance Farsac, c'est une bonne idée en rien. Ah, une balance Farsac, c'est vraiment. Attends, je mets une minute de poll. À vos votes. Soit Théo il ouvre mon cadeau en premier, soit j'ouvre le sien en premier. Aïe 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 aïe. En plus, l'année dernière, j'avais cherché pour. Je voulais acheter à Terra, hein, genre 50 kilos de gravier ou je sais pas quoi. Mais c'est trop cher. Parce qu'en fait, non, mais c'est abusé, hein. C'est abusé. En fait, c'est pas le gravier en soi qui est cher, c'est le transport. Parce que à partir d'un certain kilo, c'est. Ah, c'est mais tu sais que moi, la botte de foin, gros, en soi, c'était pas cher. Mais genre, je crois, il y avait dit. Vu que je l'achetais chez un vrai campagnard et tout, ça m'a pris 15 balles de frais de livraison, genre. C'était trop grave. Oh bah dis donc, pardon. Oh là, la majorité, pardon. Je crois, la majorité veut ton truc en premier. Oh là là, je vais ouvrir. Alors, petit ressenti. Attends. De base, le colis est quand même assez léger. Ok, ah. Je peux le secouer. Attends. Un animal dedans, tu vois, c'est je pas prépare la scène, vu que c'est toi qui ouvre en premier, je te mets en avant. Je suis stressé, hein. Attends, wow, ça c'est de la scène mon gars. Attends, je vais mettre en mode, je suis la voix dans ta tête. Attends, je vais tout en haut. Je commence déjà à déballer le truc. Vas-y. Les gens, toi qui ouvres en premier. 109% des voix. Mon gars, je crois que les gens veulent te voir ouvrir. Attendez, c'est. Eh, imagine, c'est un parfum Scorpio. Non, t'es un monstre, tu fais ça. Non, en vrai, elle est Mao, frère. Ah, et non, d'abord, c'est super. Ah, oh, ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, attendez, c'est quoi? Regardez, je vous montre comme ça. Qu'est-ce que c'est? Espèce de merde, non mais. Regardez-moi ce que c'est.
Regardez-moi. Non, mais ce type a 107 ans. Hein. Ce type a 107 ans. Mec, je t'ai offert un costume de Kakaman. Enfile-le. Enfile-le tout de suite. Enfile-le tout de suite. Enfile-moi ça, mon gars. Joyeux Noël, Théo. Joyeux Noël. Oh là. Tu sais qu'en plus, t'es pris la taille adulte. Hein. Ça m'a coûté 3 fois plus cher, hein, sale chien. Et tu vas bien l'enfiler, mon gars. Allez, enfile-moi ça. T'en recules. Non, recule bien. On veut te voir en 4K, mon gars. Oh putain, ça c'est de la crotte. Ça c'est de la belle crotte, ça. Joyeux Noël, Théo. C'est grim, attends. Non, en vrai, garde-le une semaine. En vrai, garde-le une semaine comme ça. Oui, je pense, hein. Moi, je pense que c'est parfait, hein. Ma cam. Attends, par contre, j'entends rien, attends. Alors, avoue, t'es trop heureux, ton cadeau. Là, c'est la magie de Noël, quand même. En vrai, c'est pas mal. Mais je pense que... Après, on fera un poll pour savoir qui a fait le meilleur cadeau. En vrai, il est propre, hein. Mais t'as vu ça? Mais en gros, vrai, en plus, je t'ai dit, taille adulte, comme ça, t'es bien à l'aise. Parce que sinon, taille enfant, tu serais mort, je pense. Bang, bang, boum. En vrai, c'est drip, hein. C'est propre. Faudrait que j'explique à mes darons pourquoi y a... j'ai ça dans un costume de crotte. Oh, ça va, t'aurais pu expliquer une botte de foin quand même, frère. C'est vrai, c'est une botte de foin, c'est... Attends... c'est plus dur à expliquer. Attends, du coup, bon. Là, ça... je dois ouvrir ton cadeau là? Maintenant, oh putain, oh j'ai attends, vrai. Attends. Je te jure que j'ai hâte parce que tu vas voir pourquoi mes cadeaux vont être trop bien. Quand ça, mes cadeaux? Tu vas voir. Ouvre le colis. Attends, j'ai peur. Attends, je cadre bien. Et toi aussi, tu vas les essayer, hein. Oh, petit... non, oh petit, non! Petit truc, tu vas les essayer. Ok, déjà. J'ai peur. Putain. Attends, normalement je me doxe pas. Normalement, ouais, RAS. Attends, oh, je stresse. Qu'est-ce que ça va être, frère? Attends, je vais mettre la musique de Noël, comme ça, c'est la magie de Noël un peu. Ouais. Attends, je vais mettre Jingle Bell. Putain, j'aurais dû mettre ça à Jingle Bell quand tu ouvrais ton caca là. Attends, c'est ça? J'espère que c'est un vrai caca. Oui, c'est un vrai caca. Hein. Mais c'est pas ça. Attends, Jingle Bells. Ah, c'est Jingle Bell Rock? Mais pourquoi tu mets du rock, frère? Non, mais c'est Jingle Bell Rock, moi, que je veux. Hop. J'espère qu'il n'y a pas de droite sur la musique. Ouh, joyeux Noël! Jingle Bell. Oh, oh, oh putain. Oh, attends, j'ai failli me planter avec le ciseau. Je rigole, Twitch. Oh, il est fort, hein. Qu'est-ce que c'est? Normalement, t'as trois trucs. Normalement, t'as trois cadeaux. Le premier, oh putain, oh, le classique. Va te reculer. C'est un pantalon de stripteaser et tu vas l'essayer tout de suite, monsieur. Ta mère la pute. Tu te fous de ma gueule? C'est un pantalon de stripteaser et je te jure que d'après les photos, c'est un classique, hein. Ouah, non, non, vraiment, va... non, mais ça, non, non, et le reste. Et ensuite, regarde, attends, vas-y, fais le prochain cadeau. Non, mais le reste, fais les trois. Mais gros, la suite, je suis bonne, non? Non, non, t'es pas bonne, t'inquiète, t'es pas bonne. J'ai fait exprès. C'est tête de gland, tu vas l'essayer aussi, monsieur. Tête de gland. Et le dernier, ça c'est sur le présentoir. Non, ça mon gars, ça, non, je dox, non, je... Non, mais t'es sûr c'est pas mal? Non, regardez ça, ça c'est mérité pour Grim Cujo. Félicitations, le Zizi d'or. J'ai 40 000 ans, mais c'est trop drôle. Je vais tuer, frère, le Zizi d'or, on va te faire foutre. En plus, je dois essayer ton froc là. Tu sais que sur le site où j'étais, il y avait une catégorie Zizi ou Penny, je sais pas, il y avait que des trucs comme ça. Il y avait une dizaine. Mais tu te fous de ma gueule, mais vas-y, mais. Ah, mais. Oh, attends, par contre, il est archi fouet. Attends, mais en vrai, il est grand, hein. Non, mais non, je dois pas le mettre. Je dois le mettre là? Si, bah. Regarde, moi, je suis encore dessus, hein. Putain. Oh, le trou du cul. En plus, il m'entend pas. Alors, vous pensez quoi le chat de mes cadeaux? Franchement, moi, je suis très content. Hein. Oh, tu l'as déjà mis? Oh, le classique. Oh, le classique. Oh, la pute. Je suis quoi, frère? Je suis où là? Mais tu te fous de ma gueule, garde-le, frère. Garde-le, tu enlèves pas, t'en fous toi. Mais attends, en plus là, non mais je cache, c'est mon intimité. Du coup, en plus, je dois mettre un pendant au strip teaser là, Ouais, et tu vas l'utiliser, bien sûr. Enfin, je sais pas si c'est ta taille, mais c'est taille unique, donc bon. Attends, je vais. Ouah, il a l'air. Ok, non, ça va. Attends.
Non, non mais guettez là, guettez là. C'est du méga latex, frère. On est dans Matrix, là, fils de pute. C'est... Oh, la texture. Oh, c'est moche, hein. Oh, c'est moche. Attends. Putain, faut que je fasse gaffe à pas le casser, genre. Attends. Si vous avez la tête de Grim, en tout cas, n'hésitez pas à l'arrobase sur Twitter avec ça. Oh, t'es en merde, hein. J'ai cassé le pantalon. Mais non. Non, en fait... Attends. Vas-y. Et après, regarde la caméra après, pour l'enlever. Attends, mais je l'enfile. Attends, t'inquiète. On est où là, frère? On est où là? Attends, regarde. Attends, faut attention. Faire comment? Attends, j'ai regardé, faut faire. Vas-y. Comment? C'est vraiment un crack. Non, l'image, je suis mort de rire. Par contre, regarde le gros. Regarde le gros slipper du mec. on dirait pas. C'est tellement violent. On dirait pas les frocs des profs de sport au collège, ils avaient des gros sacs de bulles. Non, mais surtout, la texture elle est ignoble. Hein. Attends, je regarde par où je dois attraper. Morpheus, c'est un mec qui a mis dans le chat. Attends. C'est Morpheus. Attendez, guettez, vous êtes trop pas. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Pourquoi t'es pas en slip? Je vais pas me faire ban, ma gueule. Non mais vas-y, mais tu m'as offert un slip de striptease. Vas-y, je sur la tête, frère. Allez, ça j'enlève, ça dégage. Vas-y, mais je vais faire quoi, frère? Oh, c'est trop drôle. Mais non, ils vont arriver chez moi, ils vont dire pourquoi t'as un masque de zob. Putain. Ah, mais le masque de zob, par contre, c'est classique, hein. C'est... Va te faire... Attends, du coup... Attends, je remonte. Ah, et puis là aussi... Attends. J'allais oublier le meilleur. Attends. Ouais, le Zizi d'or. Les gars, attends. Les gars, petit live, on va partir sur un react SNK. Alors, j'ai beaucoup aidé la saison. Faites pas attention au décor derrière, c'est un nouveau truc, j'aime bien, c'est de la déco. Oh, la cérémonie d'Zizi d'or. Putain. Non, j'allais dire, je vais le sortir, mais en vrai, ça va clipper et le faire foutre. Non, mais tu sais, c'est. Vas-y, fais-le. Mais cassez-vous, ça dit, allez vous faire foutre. Vous, cassez-vous, frère. Non, mais vas-y, mais. Non, mais t'es sûr, c'est pas ban ça? Mais pourquoi ça serait ban? Je sais pas, c'est un zizi. Mais non, c'est pas un zizi, c'est un sceptre. Ah, vas-y, ça. Non, en vrai, c'est une coupe. C'est une coupe, ça va. C'est une coupe, c'est une coupe. C'est une un coupe. Trophée, c'est une victoire. Non, vous êtes des ouf. Non. Le masque en zob, il est trop grave. Le masque, c'est trop grave. Hein. En vrai, je vais te l'offrir l'année prochaine. Non, bon, moi j'ai mon costume d'Halloween l'année prochaine. Regarde ce que Flygo il a dit, je me mets en slip, en stream, vas-y, sus et mets-toi en slip, va te faire foutre. Non mais c'est bon, ils bandent là, c'est eh, regardez, j'ai déjà enlevé avec ça, vous ne me verrez pas en slip, frère. Regardez. Après il l'a bien enlevé, franchement il a l'expérience. Hein. Non mais c'est pour ça, en vrai, t'as vu en fait, j'ai bien suivi du tout, je fais... Non, attends, remets-toi debout une dernière fois, je pense on va attends, voir... Attends, c'est quoi? On va bien voir le caca. Oh, attends. Par contre, je le tweet ta photo avec la bite. Hein. Non, va te faire foutre. Casse-toi. Juste la tête de zob, je la tweet. Fils de pute, va. Bah. Allez, hein. allez, bon, lève-toi, fais un petit tour de cacaman là. Allez, vas-y. Ah, ça c'est. T'as cassé une bouteille là. Non. Wesh, Nemos. Il est bien fait. Hein. Il est ample. En vrai, non, défi, va en cours avec, s'il te plaît. Va te faire enculer. Oui, ton truc de stripteaser aussi. Oui, bah oui, tu imagines. Il y a mec qui me met une layette, bah je suis tout nu. C'est trop grave. Hein. C'est comme la vidéo, le mec il arrache, hein, le t-shirt, mais pas avec le pantalon. Bah tu sais, la meuf elle tombe, elle perd tout, c'est trop grave ça. Ça le chien va. Quoi? Mais tu m'as offert une tête de zob. Mais c'est trop drôle. Je te jure, elle va trop bien. Oh, en vrai, c'est j'ai envie de te dire, c'est la magie de Noël, mec. Mais attends, c'est quoi? Non, je vais la mettre sur Cacabox, hein, plutôt que sur mon compte. Fais comme tu veux, mec. Flygo, je vais te l'envoyer si tu veux. Moi, j'y touche pas, frère. Bande de merde. Non, mais j'ai trop honte. Imagine. Non, mais j'ai même pas envie de le montrer. Imagine, il vient dans ma chambre, il me dit, c'est quoi ça? Non, mais écrisio, je vais arriver à ton taf. Allez, likez le chat, j'en bats les couilles, c'est Cacabox. Mets... Casse-toi. Non, j'allais dire signaler le tweet, mais signaler pas, en fait. Putain. Le non les gars, au pire les gars, je vais faire un concours. Entre tous les subs, je vais faire gagner le Zizi d'or. Ceux qui veulent pourraient gagner c'est le pas Zizi mal, d'or. En vrai, et attends. Non, c'est ça. Celui qui a le plus beau Zizi, je rigole. Je rigole le chat. Humour. Envoyez tous vos Zizi à Théo. Non.
Il fera une tier liste. De dick pic, allez, let's go. Attends, ta cam elle a bugué, je viens de tilter. Oh. Regarde, c'est Discord. Ok, non, c'est bon. Attends, là c'est encore bugué. Ah, c'est bon. Ta cam c'est vraiment frame par frame, par contre, c'est insoutenable. Hein. Non, reste le gagner, j'adore, c'est drôle, je trouve. Ouais. Mais sûr, c'est ça la magie de Noël, frère. Ah, en tout cas, bien content de mes cadeaux, bien content. Pas très content du tien, par contre. T'aimes trop le mien, frère. T'es déguisé en caca, gros. Je suis pas ça, mon frère. Hein. Il va vraiment être content, lui. Hein. Fais le V-Life. Suce le zizi. Flygo, si tu veux. L'année prochaine, je te l'envoie et tu t'en feras ce que tu veux, frère. Let's go! Merci, mec. Moi, je vais le sceller pendant un an, je ne veux plus jamais le voir. Attends, et dire pourquoi la cam de Théo elle est comme as, parce que Flago était là. Je pense. Attends, j'ai pas vu en plus les Secret Santa de Hugo. Je voulais voir parce que Hugo, je sais très bien que c'est. Hugo, c'est un. Ah, et d'ailleurs, normalement, les gars, pour ceux qui veulent, ceux qui ont raté les autres Secret Santa, normalement, on mettra un best-of. On mettra tous les Secret Santa sur la chaîne. Parce que. Donc, non, mais si. Vous inquiétez pas. Et t'as vu ce que Pota il a offert Hugo, c'est un malade mental. Hein. Oui, non, c'est mais. Trop, en plus, je m'avais montré la commande, je crois que c'est Amazon ou je sais plus quoi. Mais arrête! C'est genre, ça va enchaîner, c'est de plus en plus grave à chaque fois les livres. Ouais, Jason. Attends, Jason, t'as vu les cadeaux qu'il m'a offert, Théo? Attends, regarde. Regarde comment je suis trop content. C'est un classique. Attends. C'est vraiment. Waouh! C'est vraiment un classique. Attends, regarde, je peux prendre Caca Box. La magie de Noël. J'ai l'air vraiment heureux sur cette image, putain, c'est waouh! Regarde, j'ai ce qu'il m'a offert, cet enculé. Hein. Un déguisement de caca. Attends, mais, mais ta cam de merde! Ta cam de merde a encore bugué, frère! Attends, mais non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, je jure, c'est toi, parce que Discord, je vois, des fois, tu frises aussi. Mais là, c'est bon, toi. Les bâtards, ça dit, tu fumais avec un caméscope, hein. Le monde est méchant, hein. Moi j'étais cadeau de fou. Attends, mais le pire, là encore je l'ai pas. Je l'ai plus, mais. Attends. Remets le. Mais là, attends. La capuche. Remets la capuche. Quoi? Non, mais je lui ai montré. Mais attends. Remets-le. Ça, c'est un classique. Non, le pantalon stripteaser, c'est. Oh, mais c'est une dinguerie par contre. Mais tu l'as vraiment. Attends, tu l'as explosé en fait. Non, mais en gros, c'est fait exprès. Regarde, il y a des sangles. Mais c'est trop dur à attacher, ouais. Tu l'as vraiment déchiré. Ah non, je peux. Quand même. N'abusons pas. Attends, je vais voir, je peux pas le rattacher. C'est qui ça? Enculé, frigo. C'est Flago le Père Noël. Tu veux plus de cadeaux, Grim? Plus de cadeaux? Non, tu me feras un ban Twitch. Je vais sucer le Père Noël. Joyeux Noël. Attends, aussi, regarde. Père Noël. Regarde ce que j'ai reçu aussi, Jason. Les Isidore de Théo. Les Isidore. Je suis content. C'est vraiment une royale, j'ai envie de te dire.